J'ai grandi dans le Bronx, la ville m'a pas souri. J'ai grandi dans le Bronx, sur une feuille des conneries. J'ai grandi dans le Bronx, et ça, ça me suffit. J'ai grandi dans le Bronx, j'ai grandi dans le Bronx, yeah. J'ai grandi dans le Bronx, la ville m'a pas souri. J'ai grandi dans le Bronx, sur une feuille des conneries. J'ai grandi dans le Bronx, et ça, ça me suffit. J'ai grandi dans le Bronx, j'ai grandi dans le Bronx, ouais. C'est difficile, toute la journée, des fois charbonnier. Eh ouais, sinon tu vas crever. Moi ce que j'aime, moi c'est chanter, ouais chanter. Mon quartier, ma famille, mes amis, ouais ça c'est mon paradis. Et aussi j'adore le poulet, le poulet. La vie ne m'a pas souri. J'ai grandi dans le Bronx, j'en ai fait des conneries. J'ai grandi dans le Bronx, et ça, ça me suffit. J'ai grandi dans le Bronx, j'ai grandi dans le Bronx, yeah. J'ai grandi dans le Bronx, la vie ne m'a pas souri. J'ai grandi dans le Bronx, j'en ai fait des conneries. J'ai grandi dans le Bronx, et ça, ça me suffit. J'ai grandi dans le Bronx, j'ai grandi dans le Bronx, yeah. Bienvenue en hood, bienvenue dans la street. Ils s'avancent, un tir, ça crie. Tu vends pas, ben on pique ta vie. Bienvenue en hood, ici c'est la street. Ça donne des coups, deux coups dans ta vitre. J'ai grandi dans le Bronx, la vie ne m'a pas souri. J'ai grandi dans le Bronx, j'en ai fait des conneries. J'ai grandi dans le Bronx, et ça, ça me suffit. J'ai grandi dans le Bronx, j'ai grandi dans le Bronx, yeah. J'ai grandi dans le Bronx, la vie ne m'a pas souri. J'ai grandi dans le Bronx, j'en ai fait des conneries. J'ai grandi dans le Bronx, et ça, ça me suffit. J'ai grandi dans le Bronx, j'ai grandi dans le Bronx, yeah. La vie ne m'a pas souri. J'ai grandi dans le Bronx, j'en ai fait des conneries. J'ai grandi dans le Bronx, et ça, ça me suffit. J'ai grandi dans le Bronx, j'ai grandi dans le Bronx, yeah. J'ai grandi dans le Bronx, la vie ne m'a pas souri. J'ai grandi dans le Bronx, j'en ai fait des conneries. J'ai grandi dans le Bronx, et ça, ça me suffit. J'ai grandi dans le Bronx, j'ai grandi dans le Bronx, yeah. Ça va bien les gars, la pêche, la forme, la banane et tout, tout ce qui va avec, fin de week-end, dimanche, demain, taf, voilà, Yorn, pas envie d'y aller, mais faut y aller. Bon, j'espère que vous allez bien les gars. Théologie va faire les poubelles. Non, bon les gars, remercie la personne qui a flow aussi, j'ai vu ça là, gameplay, martiaux, putain, merci, c'est gentil en tout cas. Je remercie encore, comme les personnes qui, bah, qui flow, qui lâchent des subs, qui prennent des primes, tout ce genre de choses et tout, ça fait plaisir. Ceux qui rejoignent le Discord et tout, franchement les gars, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, ça fait plaisir. Et ça fait très très plaisir. En tout cas, coucou, comment tu vas Black? Ça va bien ou quoi? Ça va bien? Petit débrief d'hier les gars. Hier, il y a un petit rendez-vous avec les Ballas. J'ai proposé la paix ou la guerre, hein. Et ça va et toi, bah ouais, ça va très bien. La paix ou la guerre. Et du coup, bah ils ont choisi la paix. Enfin, la paix, c'est un grand mot, hein, attention les gars. Une trêve, on va dire. Combien de temps, je sais pas, on verra bien. À mon avis, ça va pas durer longtemps. Je peux vous mentir, je pense que les Ballas, ils vont vouloir me taper sévère. Hein. Je peux dire ce qui est, j'ai couché leur OG, donc
D'accord. À un moment donné, je pense que je vais prendre Petite Rafale aussi, c'est sûr et certain. Bon, en tout cas, voilà, la paix, entre guillemets, qui était faite. D'un côté, c'est bien parce que ça va permettre aux familles de bosser un peu sur le business et de s'équiper à proprement dit pour faire certaines choses, dont la bijouterie et d'autres choses qui arriveront. Et puis en plus de ça, hein, les bikers et les Lost et les Ballast, je pense qu'ils ont un contentieux à régler parce que je pense que ce qui s'est passé la dernière fois au niveau du Yellow, c'est pas réglé. Donc disons, voilà, c'est aussi intelligent quand même, quoi. Et puis après, j'ai envie de vous dire, nous aussi on a quand même un contentieux avec le biker. Voilà, on leur a laissé un ultimatum, on verra, hein, je vais pas vous mentir. Moi, je pense pas que. Ils vont payer, hein, je pense pas qu'ils vont payer. Hein. Parce que s'ils font ça, j'ai du mal à suivre, hein, c'est. Ça serait chelou. Bon, on verra, en tout cas, bien, ils ont 2 semaines. Mais bon, il y a quelque chose de louche, hein, parce que hier, voilà, j'ai vu des taxis proches du tatoueur. Et j'en ai vu un que j'ai vu au Bénis, et voilà quoi, j'ai reconnu, c'est un biker quoi. C'est. Comme je dis, bon, la vie, voilà, c'est en train de. Ouais, 2 semaines, bah tu sais, ils me doivent 15 000 dollars, clairement ils me doivent 15 000 dollars. Hein. Clairement, j'aurais dit 2 semaines, 15 000 dollars, sinon je les explose quoi, c'est plus compliqué. C'est pas moi qui gérais la négociation, hein. J'ai laissé ZZ faire parce que bah, le OG, voilà, clairement. J'avais qu'une envie, c'est. Après, en plus, c'est Venceslas, le mec, il est hyper gentil en RP en plus. C'est lui qui est venu. Mais sinon, moi, j'ai qu'une envie, voilà, c'est foutre mon flingue dans la bouche et appuyer sur les tentes, hein, je vais pas vous mentir. Après, je pense pas qu'ils vont tenir leur parole. Ça serait un peu ouf. Parce que, d'après ce que j'ai compris, voilà, il n'y a pas que nous qui les avons dans le collimateur. Donc, on va bien voir, en tout cas. En tout cas, voilà, il y avait une petite paix qui a été faite avec les Ballast. On verra bien combien de temps ça va durer. Puis voilà, c'était fait de façon RP, ça qui est bien. Parce que voilà, OG, t'es quand même pas triste d'avoir fracassé les ballasts, d'avoir tiré sur les ballasts. Fracasser, c'est un grand mot, mais d'avoir tiré sur les ballasts. Mais par rapport aux trois petits, ça y a fait chier quand même. Donc, du coup, voilà, il est content de la paix, comme ça, les trois petits, ils vont pouvoir faire ce qu'ils ont à faire, choisir certaines décisions, je pense. Hein. Parce que, comme on dit, ils ont le cul entre deux chaises. Hein. Ils aiment bien les ballasts, ils aiment bien les families. Voilà quoi, bon, ils détestent les Lost, ça c'est le point en commun, parce que OG, voilà, hein, clairement, j'ai envie de les soulever les Lost, hein, je vais pas vous mentir. Parce que je me suis fait baiser par les cops, parce que tout simplement ils ont cafeté, hein, faut être honnête. Donc à partir de là, le OG, voilà quoi, il est un peu vénère. Donc il y a eu ça hier, plus ceux qui sont venus au tatoueur, hein, voilà. C'était pas mal, après on voit quand même. On voit quand même aussi hein, que clairement la paix avec les Ballast va pas durer forcément longtemps parce que bah, ce que j'ai vu hier c'est que le OG Ballast, j'ai l'impression qu'il est en mode dépression. Hein, et quand il marche, il au ralenti, hein, même le tonton du quartier va plus vite. Et voilà, entre guillemets, RP parlant, ça se voit dans ses yeux qu'il a envie de soulever Dinchester, hein, on va pas se mentir. Ça se voit quoi. Mais bon, du coup, c'est marrant quand même, franchement, c'est cool, c'est sympathique. Puis voilà, on a vu le cartel, on a récupéré la marchandise, voilà. Puis on s'est retapé un petit billard aussi. Et puis bah, le petit nouveau qui s'intègre au niveau des families. Et pour l'instant, ça va, il gère bien et tout, ça fait plaisir. Donc ce soir, bah, ça va être un peu de la vente. Hein, je ne vais pas vous mentir, ce soir, ça va être un petit peu de vente. Pourquoi? Parce que bah, on n'a que 2 flingues au quartier. Clairement, on n'a que 2 flingues. Pour faire une bijouterie, c'est très peu, déjà d'une. Parce que là, dans le contexte actuel, vu que j'ai les palaces, voilà, il y a une paix, bah, elle est fragilisée de ouf, je pense. Hein, ça va pas durer longtemps. Plus les bikers, moi j'ai un doute je pense qu'ils vont me la mettre à l'envers très très profond. Donc il faut quand même qu'on ait des ressources qui peuvent nous permettre de nous défendre à l'occasion. Clairement. Hein. Voilà, puis plus voilà, les palaces, ils vont organiser des courses de rue. Donc il va y avoir du monde qui va être convié. Je sais pas quand ils vont faire ça, mais en tout cas, ça va être intéressant. C'est bien parce que là, les palaces, ils prennent des choses en main. C'est cool. À fond, on avait fait des. C'est nous, les familles, qui avons fait les combats clandestins. Donc là, ils vont faire les courses. Ça va être intéressant. Ça va être marrant. Hein. Ça va être fun. Et puis, ouais, donc le petit rendez-vous hier avec le cartel. Et puis voilà, hein, les familles regardent à droite, à gauche et tout. Hein. C'est intéressant, c'est intéressant. Donc ce soir, il va y avoir un petit peu de vente, et puis on va voir. Hein, peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont se passer. Hein, parce que hier, voilà, il y a eu de la vente, mais tonton, j'ai pas eu de nouvelles pendant au moins 20 minutes, 40 minutes de lui, donc je sais pas si il est passé. Ouais, bah ça va faire jouer tout le monde, c'est ça qui est bien, tu vois.
Ça, mais même Dot Heaven qui va arriver, les gars, avec la Maze Bank Arena, avec le truc du UFC et tout. Voilà, moi j'ai une petite idée et tout, mais bon, faut que j'essaye de voir et tout. Entre guillemets, soumis l'idée aux collègues du staff, on verra bien ce qu'ils en pensent. Hein, on verra bien. Ça peut être réellement intéressant. Ça peut être réellement intéressant, on verra bien. Et voilà, donc on va s'amuser un peu ce soir et bien voir ce qui se passe. Hein. Genre, il va bouffer. Ouais, hier aussi, les gars, j'ai fait un petit tour au casino. Bah, si je tombe, parce que bon, en fait, j'ai perdu. Je sais pas quoi faire. Et du coup, j'ai perdu. Bon, petit tour sur le téléphone, pas de message. Twitter avec Codebo. Bah, y a rien. Oh, y a rien. Y a. What the fuck, hein? Pas grand-chose, hein? Alors. Petite radio. Oh, quelqu'un sur la radio, c'est OG. Salut OG. Ah ben, con. Comment ça va, ton OG? Oh, moi ça va tranquille, tranquillement. J'ai bien dormi, j'ai réfléchi, j'ai bien dormi, j'ai réfléchi, j'ai fumé, j'ai réfléchi, j'ai fumé. Voilà. Allez. Ah, puis logique, faut qu'il s'achète aussi la petite maison au quartier, quoi. C'est pas se mentir. Déjà, je vais faire ça. Parce que j'ai envie de. J'ai pas envie de mentir, mais quand j'ai vu hier les Lost traîner proche du Yellow. Yellow. Du magasin. Enfin, du tatoueur. Je me dis qu'il serait capable de me soulever là-bas, quoi. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est trop bizarre. Au lieu de faire marcher, le remonter, puis le mettre au bout de la roue, puis dire t'en recours pour la peine, tiens. C'est marrant. Hein. Il va m'écraser, je sais pas pourquoi. Ça va. Je sais pas si les petits ont bossé aujourd'hui, on va bien voir. Hein. OG? Oh! Ouais. Les bikers, on les veut toujours ou pas? Hein, de quoi? Les Lost. Ouais, qu'est-ce que t'en fais, le Lost? Alors, est-ce qu'on les veut toujours ou pas du tout? Oh, pour l'instant, ils ont 2 semaines pour payer ce qu'ils ont à payer. Après, on verra bien. Mais s'ils nous cherchent la merde, on les éclate, quoi, clairement. Ça va, boy, ou quoi? Ouais, hier j'ai passé 1 heure. Ouais, je te cherchais, en fait, boy. À un moment donné, je me suis dit peut-être la partie se coucher, la première personne. Non, 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 non. Je préviens toujours quand je vais me coucher. Non, non, j'étais en cellule. Ah, ok. Ils m'ont passé de la musique classique. Ah bah t'es ma boy. Ta tête, ça t'a marqué. Ouais. Du coup, quand ils ont coupé, j'aurais dit vous pouvez pas mettre Mozart, mais ils ont pas voulu. Ah boy, ça m'a beaucoup, hein. Ils ont vraiment cru que ça allait me casser les couilles, alors que pas du tout. Ok, ça va, là. Non mais... Non mais les gars, vous avez des problèmes avec la conduite, non? Ils se garent là-bas, c'était fait exprès. Ah ouais. Du coup, je me suis fait choper avec les billets. Oh merde! Du coup, j'ai remboursé les 10 billets qu'ils ont oh, chopés. T'inquiète. Mais bon, en vrai, ils me les ont pas chopés sur moi. Comment ça, t'es pas chopé sur toi? Ils m'ont tasé 2 fois, du coup, j'ai fait semblant que j'allais vraiment pas bien et tout. J'avais mal au cœur, du coup, je suis parti avec les EMS. Et en fait, je l'ai jeté. À un moment donné, j'étais tout seul. J'ai jeté dans une poubelle avec écrit danger toxique dessus. Du coup, je sors de l'hôpital. Il me fouille à la sortie de l'hôpital. Il dit ouais, il a plus rien sur lui. Il a dû jeter quelque chose dans l'hôpital. Ils ont fouillé l'hôpital. Ah bah, de ma boy. Comme ça, hein, gratuit, hein, sans mandat, sans rien. Ah, ça, je peux te dire. Ah ouais, quand vous étiez dans l'hôpital là. Tu sais, il y a tellement de mecs qui font des conneries là-bas qu'au final, maintenant. Hein. Ça reste un hôpital privé. Ouais, je sais, boy. Ça reste bon. Un lieu privé. Non, mais. Que la dernière fois, le doc s'est fait tirer dessus à l'intérieur de l'hôpital, les gens sont un peu bizarres, quoi. Ça marque aussi. Mm-hmm. Enfin, bon, et du coup, ils trouvent les billets, ils disent, ouais, bah ça t'appartient. Ah bon? Bah non. Hein? Moi, parce que je leur ai dit, comme quoi je vendais des joints de CBD tranquille. Et ils m'ont dit, ouais, mais non, ça t'appartient, nanana. On le sait. J'ai dit, bah. Pourquoi vous m'avez pas fouillé avant de monter dans le camion, en fait. Si c'était vraiment à moi. Hein?
Bref, et du coup, ils m'ont collé des amendes. Oh putain, bah, écoute, ça va de ta tête, ça, boy. Moi, j'ai même collé la dernière fois, j'en ai clashé un. Je pense qu'il avait un écho. Il faut que j'aille retourner voir l'EMS parce que l'EMS m'a dit un truc. En fait, si tu payes pas, ils vont te majorer et tu vas encore. Ouais, mais je m'en fous. Non, mais je m'en fous, je vais aller devant le procureur. Je t'explique, je vais faire un jugement. Oh. Moi, j'ai un témoin qui est prêt à témoigner, un EMS qui est prêt à témoigner sous serment que le LSPD a dit des choses qu'il ne devrait pas dire et qui. Donc voilà. Donc je vais me faire rembourser les amendes plus les intérêts. Ouais, les petits intérêts. Bien sûr, je vais demander au moins bah. $5,000. Putain, boy! Combien? 5 000. Ah ouais. Bon, man, ce soir je suis bien là, mais là je vais manger vite fait avec Tata. Ouais, okay. Bah, va manger, si tu vas manger, c'est que t'es pas là, où boy. Avec Tata, c'est où? Non, mais... Ouais, Tata, elle fait putain de bon à manger. Ouais, va. Vas-y. Ah. Ok, bon, bah, ok, ça marche. Oui, parce que je voulais porter plainte, ils m'ont dit, ça sert à rien. Ah, bah, ouais, clairement, je te dis vraiment, ça sert à rien. Mais du coup, je peux me défendre tout seul, hein. Pas besoin d'avocat. Ouais. Ouais, bah écoute, hein, c'était y arrive, boy. Franchement, je te donne une médaille, mais elle va te couper le cul. J'ai un témoin. Oh, tu vas les foutre dans la merde, en fait. Mais oh, je vais aller voir le voisin de news aussi. Oh, bah vas-y, clairement, boy, il faut ça, ouais, t'as raison, vas-y, c'est ton plaisir, hein, pas se mentir. Bon, ça va, Spartacus? Bah, du coup, je vais vendre des billets. Ça va, OG? Ouais, disais, j'ai pas compris ce que tu me disais en trop en radio et tout. Les Lost, on les veut toujours, pas du tout. Attends. T'as dit quoi? On a presque plus de billets à vendre. Ouais, parfait ça, bon, parfait, parfait. Du coup, ouais, je t'écoute. Les Lost, on les veut toujours ou pas du tout? Alors en fait, comment dire... Lost, ils nous doivent 15 000 $, tu vois, entre guillemets, ils ont 2 semaines pour payer, parce que ce qui paraît, leur procédure n'est pas là, je sais pas quoi, j'ai rien compris. Ouais. Mais bon, si grosso modo ils nous cherchent et tout, ça va sortir dire, je le dis clairement. Ah, nice, ok. Parce que déjà hier, j'ai vu un taxi qui circulait pour un jetatoire, et je l'ai vu à Probanise, et je suis certain à 90% que c'est un putain de Lost. Ok. Voilà. On verra bien, tu vois. S'ils payent, bah c'est bien, pour les taxer souvent, c'est pas intéressant, mais s'ils payent pas, on verra bien. Style. Ok, pas de soucis. Ok, bah sinon t'as fait quoi de beau boy? Bah écoute, je me suis reposé. Hein. Ok. Bah écoute, si tu veux vendre des billets, tu peux. Ouais, okay. Attends, bah je vais demander à tonton. Tonton, tu peux récupérer Spartacus et il veut vendre aussi, boy. Bon, après, je peux y aller avec la sultane là-bas. Je suis parti chercher en taxi, on arrive. Ouais, oh, vas-y, ouais, vas-y, fais attention, vas-y, fais. Ouais, ok. Bah vas-y, il prend une voiture et il va vendre aussi. Juste, il va épimer. Vous prévenez où vous vendez à peu près s'il y a des cops, vous les annoncez. Bah, moi je vais en parking rouge. Il reste beaucoup à vendre ou pas? Oh, pas grand chose a priori en TZZ. Ouais, hier je sais qu'il y en avait 150, mais je sais pas si y en a d'autres qui ont été vendus après ou pas. Ils ont vendu ça comme des acharnés, gros. Ouais, il nous reste en 25, là. Chut. Des acharnés, quoi. Des acharnés, clairement. Des acharnés à la vente, quoi. C'est... ouf. Ouf. Désolé, je faisais une petite manie parce qu'il y a quelque chose qui me dérangeait, voilà. Yo Chrono, ça va quoi? Big up à toi, hein? 27 000, ouais, c'est pas mal. Pas mal du tout. Vraiment pas mal. Château ouvert, ok. Oh merde! Il est con, on l'a pas vu qu'il y avait un mur lui.
quoi les boys? Ouais toi man. Ouais. Ça va, toi, ouais j'ai dormi, j'ai réfléchi, j'ai re-réfléchi, j'ai fumé, j'ai redormi, j'ai fumé, j'ai réfléchi, au final j'ai paniqué. Ah bon? Oula. Ah. Et donc quoi? Le résultat dans tout ça? Oh résultat dans tout ça! Tu sais le petit taxi qu'on a vu hier cette zone? Ouais. Bah je sais pas. Qui demandait du boulot. Ah ouais, je suis sûr à 80% que c'est un putain de biker. Ah ouais? Ah ouais. Tu vois, attends, je peux lui demander, hein, ça va être simple. Hein. Ouais, mais je. Tu vois, je sais pas. Mon petite intuition et tout, quand j'ai vu sa tête et tout, j'ai dormi et tout. Je me suis dit putain. Parce qu'au final, voilà. Un biker, hein. Lui. Ouais, bah écoute, après, il y aurait peut-être. Ah, mais c'est quoi qui le relie à eux, genre? Bah, sa tête, boy. Tu sais, quand je vois des visages, boy, je les mémorise bien quand même. Je peux te rassurer. Je te rassure, hein. Bah, tu l'avais vu au. Tu l'as vu avec les bikers avant? Ouais. Ah ouais, attends, je vais l'appeler, en fait. Après, peut-être que je me trompe, mais c'est dire qu'il a un jumeau maléfique. Je m'en fous, hein. Bon, voilà, du coup, ouais. Ça explique pourquoi, peut-être que. Voilà, hein. Enfin, bref, c'est pas grave. Peu après, j'ai réfléchi, après, j'ai réfléchi que. Bah, que voilà, quoi, qu'il neige toujours, qu'il fait un dégueulasse. Bon, ça, c'est sûr que la neige, ça casse les couilles. Ah, puis c'est bien, là, on a des pognons et tout, ça commence à remonter, c'est bien. On s'est vendu? Ah ouais? Oh, on a 27 000. Oh, ça va et toi man? Faites attention à la plage. Je voulais savoir t'es avec les motards toi? Ok quand même. Attends, je t'en. Dis-moi. Ah ouais ok. Mais et tu nous demandes du boulot? Oh moi bien vu. Ouais c'était sûr. J'ai repéré sa tête, c'était sûr. Bon, ouais. Du coup, on tente sur quoi on dit en soir le billet, mais après. Billet, puis faut conserver toujours le démantèlement. Parce que mon que pour avoir. Mais tous les familles sont en taxi. Comment dire? Bah, pour avoir des trucs par le cartel, faut attendre un dé, je pense. Déjà. Ok, bah c'est tout, c'était ma seule question. Ok, ok. Bon, en tout cas, je passerai une commande à l'avance. On s'en est un. T'en es un, mais tu vois, en fait, il me dit qu'on s'est mal compris, qu'il ne demandait pas du boulot, juste qu'il disait qu'on était dans le même boulot, tu vois. Mais je suis en mode, ouais, bon. T'as bien entendu ce qu'il a dit hier ou c'est moqué fou? Bah, je sais pas, ouais, mais. De toute façon, je m'en fous, dans tous les cas, moi, je comptais pas le redonner tout de suite. C'est clair, putain, boy. Des fois, je me dis, putain, je fume, ça fait mal à la tête, boy. Ah, c'est pour ça, je lui disais, mais c'est bizarre, tu vois. Et, parce qu'il nous a dit clairement, ouais. Vous êtes, faut vous respecter, vous êtes respectable, machin, ceci, cela, si vous avez du travail, y'a pas de soucis, je travaille. Moi je sais pas. Après tu vois, déjà, y'a le truc de. Putain moi je vais me revirer une clope parce que. Y'a le truc de. Au moins tu sens que le message est passé, tu vois. Ouais. Lui c'est un petit et qu'il parle bien et machin. C'est déjà pas mal, parce que... C'est déjà bon début, après. Après, si vous voulez surveiller au tenteur, c'est bien. Moi, je sais très bien qu'ils sont aux alentours et puis c'est pas la première fois que je les crame là-bas, quoi. Bah après, ce serait logique. Imagine, nous, on voit un truc entre les Lost et les Ballas. Enfin, moi, c'est sûr que je reste et je regarde ce qui se passe, tu vois. Ouais. Bon, moi, en tout cas, on a la certitude, vas-y. En tout cas, il y en a un qui bosse là-bas. Bah, tu me diras, il a juste la route à traverser pour le bosser. Il m'envoie. En message, il me dit, par contre, si tu veux des arrangements avec nous pour le taf du club, t'as capté, 3 petits points, ça peut se faire. Boy. Je vais pas te mentir, boy, hein, si réellement il paye, putain, j'ai hâte qu'il refasse une connerie pour qu'on la retaxe après. Oui. Hein. Vache, quoi. Pourquoi? Je fous, ça nous concerne pas, tu sais, genre. Mais je pense que. C'est un petit du club et qui coupe mon codard là. Ouais, mais je pense pas qu'ils vont payer, boy, je vais pas te mentir, je te le dis, on verrait bien. Ah, j'ai bien compris que t'étais sceptique, man. De toute façon, moi je serais même pas là. Ils disent demain s'ils payent ou pas, donc... ça va, demain, je crois dans 2 semaines. Demain, ils disent s'ils payent ou pas, et s'ils disent oui demain, ils ont 2 semaines, sinon... bah sinon, voilà, statu quo et machin. Oh, intéressant. Donc, voilà, mais c'est ce que je dis, moi je serais pas là, et il est censé répondre, il doit dire à Momo ou à Baba. Je sais qu'il est leur deux numéros, tu vois. Ok. Je savais pas si toi, tu serais trop apte à... Ouais, écoute, voilà. Pas trop envie de discuter avec eux. Voilà, c'est pour ça. Ouais, bah en tout cas, intéressant. Oh, c'est mal l'argent. Ouais, t'inquiète, j'avais demandé déjà. Intéressant. Oh, ouais, du coup, on a un peu. Hier, tonton, il s'est fait péter en fait, c'est pour ça qu'on a pas de nouvelles. Ah ouais? Ah. Il était pas parti bosser lui? Bah écoute, c'est tonton. Oh, je comprends rien.
après, il m'a pas sorti qu'elle allait faire péter le commissariat, donc c'est déjà bon peu. Ouais, c'est déjà pas mal, ouais. Ouais, et de toute façon, il reste quoi à vendre, là? 125 billets, après on a fini, donc je pense que ouais, je vais envoyer un message au cartel pour qu'on ait des choses demain. Ouais. Parce que là, même là, nous trois, on en prend 50, 50, 25, et puis c'est plié, quoi. Oh bah carrément, hein. Allez, bah je m'y colle. Vas-y, bon, allez, prends un coup, c'est là pour vous. Bah, nickel pour moi. On se porte un cul. Ouais, ouais, tout se passe bien. J'en vais au quartier. Ok, ok. Hey, let's meet up next week. Ah, putain de majuscule. Grand monde là, sur le live, putain. Tout le monde mange, tout le monde est en RP déjà. Après, je sais pas comment tu prévois de bosser Audi quand je suis pas là, mais prends peut-être plus que 600 hein, si on a. Bah, en fait, parce que là, les 600, t'as vu, ils sont partis hier, ils auraient pu être déjà partis. Hein. Mais en fait, je pense que je peux pas plus, boy. Je peux pas te mentir, à mon avis, c'est eux qui. Déjà 600, déjà. Ah ouais, c'est galère pour eux, je pense. Ah ouais. Attends, mais peut-être qu'ils vont me dire 600 sera pas possible demain, ça va être 300, je sais pas, on verra bien. Ah ouais, chaud. Ouais. Bah, ok, vas-y, bah, galère. Moi j'ai réussi un boy le mec. Ah! Bah écoute, bon appétit à toi. Même si t'as fini ou quoi, pas de soucis. Allez, on va vendre un petit peu. Putain, il en reste 40 quoi. Bon, vas-y, je prends les 40. On s'est réglé. Non, je pense pas que les loss ils vont payer, les gars, je vous le dis. Encore. Hein. Parce que s'ils payent, je vais les taxer à chaque fois, pour mon tir. Ah, c'est bon, pour le temps. Ouais, mais attends, il m'a pas répondu là, l'enfant. Oh, du coup, moi je vends un peu les bruits. Ouais, vas-y, Onji. Vas-y, Onji. Laisse-moi retrouver le numéro, t'as vu, et je l'appelle. Vas-y. Dans 6 jours. Ouais, je vais déposer la mine. Ouais, vas-y, Onji. Merde! Eh, j'ai envie de l'emmerder. Ouais, salut, bon, c'est Chadwick. Bon, ça va. Je vais pas l'emmerder. Moi, dites-moi, j'ai un petit nouveau là. Il cherchera du travail. Est-ce que vous aurez une place pour lui? Ouais, je vous le ramène à la boutique. Ok, okay, bon, c'est bon, bon, je vous le ramène. C'est parfait. Bon, tout de suite, bon. Ah bah c'est tant mieux alors. Ouais mais c'est parce que pour moi les bikers je sais pas, enfin s'ils payent j'ai du mal un peu à suivre quand même quoi. Après s'ils payent au moins ils sont tranquilles mais bon. Bon on vient avec moi, il est dispo donc je vais t'emmener tout de suite. Ok j'arrive, hey, y'a plus de faux billets là dans le coffre. Oh j'ai pris le dernier boy, vous inquiétez pas, on trouvera autre chose à faire au sort. C'est vrai qu'ils sont vite partis les phobies, hein. Sa mère. Ouais. Bah moi c'est mon avis en fait, je trouverais ça... bizarre qu'ils payent en fait, tu vois. Parce que franchement là, on les a énervés, on a tagué sur leur mur du Yellow Jack et pas qu'un peu. J'ai soulevé un de leurs gars, je lui ai pété un doigt. J'ai menacé de les fumer. Si les mecs ils veulent payer. Ouais, tu vois. Disons que. Dès qu'il se passerait un truc, je leur mets de l'argent quoi.
Oh, parce que hier j'ai vu des los circuler proche du tatoueur. Et là j'ai la preuve comme quoi il y en a un qui bosse au taxi donc. Il y a du monde à Bay City ou pas les mains. Donc voilà quoi. Ouais, je crois pas. Moi je viens où de Bruyne. Faut que du pub sa mère. Eh, si on est assez qu'on a rien à foutre, faudrait qu'on tape un laser game les mains. On m'a dit que c'est délire à plein. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit aussi, je me teste. Bah, moi non plus, d'accord. Ouais, t'es sérieux là? Qui y a personne qui veut? Je suis choqué. Attends, je me dis quoi? C'est salade. Je vois pas trop ce que tu veux dire, mais... Tu arrives à vendre les mains? Oh non, personne qui veut pour l'instant. Ah ouais, je veux dire. Des saccades. Putain, Georges, des saccades. Je crois qu'on a perdu un degré et je me demande si c'était pas un problème. Ah oh, putain, mais en ce moment, tout le monde a des petits soucis avec... C'est le problème. Avec... même Bob Gump, pareil, il a des soucis et tout, en fait. Je crois que c'est vraiment... Ça doit être OBS, je sais pas, en ce moment. Parce que là, je regarde, là... J'ai rien qui est affiché, tout est dans le vert quoi. C'est bizarre. Après ça vient peut-être de chez toi, hein. Ou bien ça vient aussi de Twitch des fois. Hein. Des fois quand c'est comme ça, tu relances la pause Twitch. C'est con. Mais... Parce que moi je suis en train de regarder le deuxième écran là pendant que je me dis, je vois pas de saccade. Ouais, Streamlab OBS, ouais, c'est... Mais il va y avoir un truc avec ces OBS, je crois, ou Streamlab, je sais plus trop quoi. Dans quelques temps, tu pourras plus... si tu l'as sur ton PC, tant mieux. Mais à un moment donné, tu pourras plus les télécharger. Je sais pas pourquoi. Je sais plus qui c'est qui m'a dit ça, mais... Ah ouais, bah voilà, c'est peut-être pour ça, alors. Ah, les cops, c'est normal, ils doivent être en réunion là en fait. C'est pour ça quoi. C'est pour ça qu'on peut pas vendre. C'est pour ça qu'on peut pas vendre, sa mère. Tout s'explique, les gars. Yopika, c'est bien quoi. Très bien. Parce que ouais, c'est vrai, le dimanche soir, les SPJ font leur réunion de la semaine, quoi. Ouais, tu vois. Bon, c'est pas grave. Ouais, ça me saoule, ça glisse toujours. Mais vivement qu'il n'y ait plus de neige. Hein. J'adore. J'aime bien la neige en vrai, j'en ai pas chez moi. Mais là, en jeu, ça me casse les couilles, hein, les gars. Cher. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Moi je fais un tour de vêtements pendant ce moment.
Ouais. En tout cas, hier c'était bien quand même, franchement. J'ai kiffé la petite frontière avec les Bolas. Mais pour ceux qui ont vu pourquoi on tombait, j'ai trouvé pourquoi on tombait en fait au bout d'un moment. C'est parce qu'en fait, quand tu tires dans les jambes, en fait, ton personnage il tombe. Et quand, après, du coup, pareil, quand tu tapes dans les jambes, il se peut, selon que tu tapes, bah, tu tombes. Donc c'est pour ça, en fait, les dégâts des points ont été modifiés. Comme ça, au moins, voilà. Bah, et votre bijouterie, bah, au final, on l'a pas fait cette semaine, tu vois. Parce que June, il me fallait 6 familles, et au moment donné, on était 6, mais on a eu, voilà, le problème avec les bikers, on avait appris le problème avec les ballasts, tu vois. Donc, clairement, ça a été... Ça a été casse-couille, quoi. Mais à mon avis, ça... Ça va se faire dans la semaine, je pense. Parce que là, on bosse, on essaie de s'équiper plus. Parce qu'au final, voilà, si on fait la bijouterie, on a que 2 flingues. Si on perd un flingue... Voilà, quoi. Merci pour le flow. C'est quoi le serveur, s'il te plaît? Bah écoute, le serveur, c'est Kingdom RP V3, tu vois. Si tu veux, je vais balancer le lien dans la chaîne Twitch, ça bouge pas, t'inquiète pas. Je vais le balancer, c'est pas le problème. Allez, je vais faire ça vite fait. En tout cas, bah, merci du flow, en tout cas, mon ami, merci du flow. Flow, merci bien. Alors, tac, tac. Attends, parce que j'ai tellement de trucs sur mon... Voilà, tac. Merde. C'est moi le fondeur. Non, c'est pas moi le fondeur, non. Non, moi je suis un membre du staff, je suis un modérateur, c'est pas moi le fondeur. C'est pas moi le fondeur. Alors, bon, attends, faut que je fasse autrement. On va le faire de cette manière-là, c'est pas grave. Paf. Puisque tu vois, tu cherches un serveur RP, à mon avis, pour que tu me demandes ça, oui, j'ai envie de te dire, mais... C'est un serveur whitelist, hein, je précise, hein, au cas où... C'est bon, Audi, hein. Alors, tac, paf, paf. Ouais, mais en fait, le truc, je balance pas... Qui est où pour vendre les billets? Je balance pas à droite à gauche, au cas où, on sait jamais. Je crois que Oji, il est vers Vinwood. Voilà. Voilà, c'est... Voilà. Je t'ai mis là, c'est le serveur RP, voilà quoi. Bon, du coup, là, que j'en ai une fois plus tard. Ouais, j'ai tout mon magasin de vêtements, les boys. Je voulais m'acheter un truc, mais vas-y, c'est bon, je continue à mettre truc, je continue à vendre, je retourne à Vinwood. En tout cas, merci du flow, et puis bah voilà. Ok, on fait une flicasse, ça. Ouais, t'es tombé sur la tête, tonton. Je me suis dit, l'idée de la citerne, tu l'avais oublié, mais faut que tu me trouves la TD, hein. Ouais, vous savez quoi, pour que vous vendiez tranquillement, je vais faire une supérette. Ouais, c'est un plaisir, hein. Bon, mais fais attention, hein. Et si t'as besoin d'un commande, là. Y'a trois types bizarres à la marina qui me proposent de commencer un braquage, c'est quoi cette idée? Ouais, t'inquiète, c'est normal, t'inquiète. Moi je sais, t'inquiète pas, boy. On fera ça plus tard qu'on sera plus équipé. Vaut mieux. Ok. Il nous faut quoi des lance-roquettes au dessus? Oh, c'est plus compliqué que ça. Déjà, boy, il faut beaucoup de matériel. C'est pour ça qu'il faut du pognon, les boys. Ouais, donc là, n'hésite pas à rejoindre, tu vois, t'as le lien du Discord et tout.
Si t'as déjà fait du RP, bah tu dois savoir comment ça fonctionne. Tu crées un visa, un douanier te répondra une fois que tu auras lu le règlement. Tu tagues un douanier, il viendra passer ta waitlist. Il faut un background. Et voilà quoi. Voilà, voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Puis c'est un serveur qui est vraiment très optimisé. La V3 est sortie, ça va faire. Bah, je suis regardé mon épisode, on est à l'épisode 34, ça fait 34 jours. Voilà. Voilà les gars, c'est plus compliqué. Je vais faire comme si j'étais au tatoueur en fait. Hein, puis je vais voir les petits passants, hein. Marrant. Ou si je me fais cramer, je suis deg. Mais... pas de drôle, hein. Random, ça va pas de la monnaie, s'il vous plaît. Voilà. Pas pour de la monnaie, je n'ai pas eu assez de monnaie, on m'a pas donné assez. Ah, je voudrais de la monnaie, putain de nuts aussi. Culé. Moi je me barrais, j'ai pas fait sur le fort de terre. J'ai pas fait gaffe, j'étais totalement dans le tatoueur, ça vient. Trapila, les pauvres, les cops, ça doit tourner en fait. Les palaces qui vendent et tout, plus maintenant les bikers et tout, les pauvres ils doivent péter les plombs à un moment donné. J'avais des copes derrière moi maintenant. En vrai, faut pas que je regarde le deuxième écran quand je suis dans un virage en fait. Parce que c'est une catastrophe. Ah, mais le pire, si tu veux, c'est ouf. Hein. Moi je pige, je rentre au quartier. D'accord, hein. Ah, les boys, il y a des cops sur la plage. Ok, d'accord, hein. Moi je vais aller vers l'aéroport. En Finlande, en grise. Elle est où ta supérette, ton? Comme ce que j'ai vers Venwood, c'est quoi, je viens de partir? C'est moi qui ai vu à Venwood. Oh bah t'as une bonne analyse qui arrive, boy. On va être content. Sens, on va se diriger vers l'aéroport. C'est la pure coïncidence. C'était nickel. Ouais, mon score, je vais vers l'aéroport. Ouais, hein. Oh,
Enfin, si tu veux, moi j'aime bien les zones, tu sais, vers la Maze Bank là-bas et tout, il y a des piétons et tout. Ouais, ouais, je connais, ouais. Attends, vas-y, il me manque un geste. On est beaucoup ce soir, c'est bien. C'est dommage qu'on n'a pas plus ou moins, on aurait pu faire plus simple la buterie ce soir, mais bon. Putain, depuis tout à l'heure, je fais que de croiser des primos, on va aller prendre des contrats, tu vas voir, on va plus en voir une seule. Ça, c'est sûr. Là, ça veut dire que les cops ils ont déjà terminé leur dispatch, putain, c'est bien. C'est bien. Ouais. C'est carré. I just did 30 minutes on the elliptical. Oh, yes, hello. I'm staying in room 314, Mrs. Appleby. There's problem with... Ça fait longtemps que je me suis pas fait péter, hein, sa mère. Putain, c'est bien, c'est bien, c'est bien, reviens là toi. Okay. Hey honey, guess what I got from the doctor? Nope, I got some molly. Ouais, ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, par contre, l'amende, quand tu te la prends, ça pique. Faut se mentir. Hello, how are you? Bon, vous pouvez vendre tranquille les manas, j'en étais au cul. Que pour feu ça? Bon, la 4G, on a plus de voûte pour l'instant, on a plus de labo. Là. Oh, pour l'instant, non. Dis-moi vers où t'es. Moi, je vais passer devant le quartier. Vas-y, je vais faire genre. Ok, vas-y, je vais essayer de les bloquer maintenant. Passe devant FD, je vais faire genre, je sors. Attends. Hey, it's my newest customer. Ta gueule, puis tout à l'heure je suis projeto, tu veux pas acheter, connard. Ça aura pas été super efficace. Ouais, 16. Non, on est en point quand là. Avec Spartan Q, si tu veux, je pense, et je vais essayer de partir quand même. Comme ça l'aéroport, ils m'ont grillé, le bâtard. T'as besoin d'aide, Oji? J'ai une voiture. Putain! De où, tonton, je te rejoins? Il allait vers le burger shop, là, un peu plus tard. Regarde si vous avez des trucs illégaux sur vous, de l'argent et tout, on pose tout au quartier avant de faire les ponts et les pics. Chier. Ouais, ils ont vu, hein. Après, ils m'ont vu courir, mais bon. Voilà quoi, comment tu vois derrière quoi. Bon, c'est pas grave.
Jean, l'assistant. Bonjour, t'es en primo? Ouais, boy! Bon, merde, sinon je t'aurais dit le coup des escaliers, mais bon, en merde. T'es où, tonton? J'ai mis la distance, sérieux? Je suis derrière toi, Audi. Elles vont péter les plombs, comme ça. Ils sont pas de voiture, enculé. T'es où, tonton? T'es où, derrière moi, ZZ? Non, simplement, c'est tonton, mais avec une voiture. Là, il est en train d'aller vers l'hôpital. C'est dans le tunnel. Allez, tiens! Allez, pouf! Il a tapé! Bon, rien, regardez, tiens, ah, je l'ai baisé! Oh, moi je les ai buzzés, ils ont tapé une voiture. Oh, bon, bien joué, Onji. On l'a toujours dit, les gars, la prima, c'est de la bombe. Ouais, pouf. Je sais pas comment il l'a tapé, mais j'ai entendu le Penji crier, j'ai compris direct. On a pris la petite pelle ou quoi? Bon, Spartacus, t'en es où, mon frère? Ouais, j'ai un peu. Fais gaffe parce que ici, les putains de montées. T'inquiète, qu'ils ont occupé, hein, tu peux faire ta vie tranquille, toi. Ouais, j'ai pas de putain de permis, là. En tout cas, j'ai merci au cop parce qu'il a tapé, il a joué le pain, quoi. Ça, ça fait plaisir. Je pense que c'est la voiture, quand je l'ai vu arriver, moi j'ai tourné, lui à mon avis il a dû la prendre de pleine face, le PNJ a dû faire une dinguerie. Il s'est fait démonter. J'en entends plein de sirènes. Je vais déposer ce que j'ai au quartier en fait, comme ça au moins... Dans le parking rouge là. J'essaie d'y préparer une bulle à la mare. T'en as qu'une au cul, les deux autres elles sont un peu perdues. La mare il est en train de s'amuser aussi avec. Oh, je suis rentré au quartier, je dépose, t'as besoin d'une mule, tonton, tu le dis. Oh, c'est quoi ça? Les boys, vous êtes par où là? Putain. Il m'aurait resté 15 en plus. J'aurais pu prendre tarif, quoi. Bah, tonton est toujours en course poursuite, a priori. Have
Venez, parking rouge. Ouais, tous, on arrive. Ah, j'ai bien fait mettre de l'essence tout à l'heure, hein. Parce que je pense que j'aurais pas tenu sur la course ensuite. Bon, on a une devant pour l'instant. Putain, c'est dommage. Ah, j'ai essayé, Toto, ça a pas marché. C'était moi, mais tranquille, c'est pas grave. Ok, j'ai le véhicule qui filme les mecs. T'es dans où? Ok, plein de... de bijouterie, ok. Niveau le tour ou pas? Ah, il est gentil, mais ouais, mais laquelle? Genre pour la deuxième voiture, ok. Salutations, ouais. Bah ouais, je l'ai plus vraiment en tête, boy, je vais pas te mentir. Hein. Bah, sérieux, aussi, c'est ton plan. Pour la première, pour la deuxième, c'est Momo. Ouais, franchement, t'as mieux, j'aime. C'est toi qui me l'as expliqué le plan. Ah, mais j'ai trop fumé entre deux. Bah, la première alors, go, go, go. Ah, faut que j'aille sur l'autoroute. Ah, je suis juste à côté en plus. Ah! Bah, il a fait demi-tour, j'ai allé voir un autre type. Le bah je crois que moi je suis trop loin du truc. Essaye Babar d'être sur tu sais au niveau de autoroute où il descend et monte les escaliers, tu vois ce que je veux dire ou pas ton idée? Ouais bah j'y suis. Voilà y est tonton, à toi de jouer boy. Envoie une pause Babar. Ils ont appelé des renforts, je pense que ça vient pour toi. Et... Là je t'ai envoyé ZZ. T'es sur le point là. Allo, est-ce que l'autre mec est sur l'autoroute s'il vous plaît? Ouais ouais on est sur l'autoroute ouais. Prêt à me réceptionner ou pas? Ouais. Ok, 10 secondes et j'arrive. Escalier ou derrière parking rouge? Dis-moi. Escalier. Par contre, si on le fait là, quand on va faire la bijouterie, c'est mort, on pourra pas le refaire. Un véhicule qui essaie de passer pour l'autoroute. Les cops vont essayer de récupérer l'autoroute les boys, faites gaffe. Ah on les a, brain. C'est propre. On repart direction Mirror Park. Par contre là, du coup pour la bijouterie ça va être tendu le refaire, hein, pour se mentir. Toujours les coffres au niveau parking central et tout. Fais gaffe, tonton, s'il n'est pas Mirror Park. Ouais, on voit le quartier marin. La voiture Bana, elle est place des cubes là. Ouais, vous inquiétez pas, là, on retourne au quartier par la mination. Ok, carré, le boy est bien joué. La
Ça que bon. Ah putain, on a bien géré. Franchement, on a bien géré, les gars. Je sais pas, après ceux qui sont arrivés en cours. Ouais, j'ai réussi à semer une bagnole, à la taper une voiture. Là, on a fait le plan. Il y avait trois voitures. On a fait le plan au niveau du parking rouge où tu remontes les escaliers, t'atterris sur l'autoroute. Ouais, ils savaient pas où passer, à mon avis. Hein. Donc, bon, on les a vus comme ça en fait. Hein. Clairement, c'est propre quoi. C'est bon, là les familles commencent mieux à anticiper les choses. Parce que là, Baba était déjà prêt sur l'autoroute. Moi, j'étais pas tout prêt. Donc, lui était déjà prêt. Par contre, voilà quoi. Oh putain! Oh, c'était rigolo ça. C'est vrai qu'il y en a un moment, il est venu me voir. Il me demandait de m'arrêter et tout. Soi-disant, je faisais une entrave à la. Oh bah, ouais, c'est marrant parce que c'est là que j'ai vu Boy au niveau de. Merde. De parking central, tu vois, je me suis mis en travers, c'était marrant. Ah, bah ouais, ouais. Moi je l'ai semé, Boy. Quand je t'ai vu, je me suis dit, oh putain, y'a moyen, tu vois. Ouais, moi, tu sais comment je l'ai semé. J'étais au niveau de Vinwood. En fait, j'ai fait des gauche-droite entre toutes les voitures. Et à un moment donné, le citoyen, je sais pas ce qu'il a fait, il a voulu me taper, j'ai esquivé, et j'ai entendu derrière, ouais, blom. Ouais, en tout cas, bien joué, les boys. En tout cas, merci, les gars. Ouais, ouais, franchement, c'est bien, Baba. Baba, bien joué. Par contre, du coup, à ce plan-là, il va falloir qu'on fasse gaffe parce que si on fait la bijouterie. Le problème aussi, c'est qu'on n'a pas d'autre plan. Après, moi, j'ai un autre. Le seul que vous connaissez. Moi, je connais celui-là au niveau de Mirror Park avec la mule, mais il n'y a pas grand monde qui connaît, je pense. Je pense que tu connais, tonton. Moi, je vais fouiller, je pense. J'ai essayé de trouver un petit truc. En vrai, il y a plein d'endroits. Il faut juste. Faudra me laisser dans une petite heure. Moi, j'en connais pas mal des petits endroits. On peut manquer comme ça. Parce que là dans le garage il y a une mule je crois et tout, c'est déjà pas mal, tu me diras. Elle peut servir pour Mirror Park au niveau du titre, tu dois connaître tonton. Hein. Ouais, ouais, c'est sûr. Mm-hmm. Voilà. Bon, ça va être que pour un plan élaboré parce que le truc c'est que dans le feu de l'action. Bah là c'était carré, mais en plus j'étais pas à côté en plus. Hein. Voilà. Donc c'est bien. À un moment je me baladais, je voyais tonton avec des flics. À un moment il s'arrêtait à côté de moi, il t'a dit oh man ça va. Là, t'avais trois bagnoles, boy. Hein. On est combien? 2 4, 6, 6 familles. Ouais, ouais, putain, on est beaucoup, non? Ben. Ouais, ça va. Putain, on pourrait être. Momo là? Oh, Momo, il doit faire un truc avec Tata, je sais pas, non? Hein. En tout cas, ouais, c'est bien. Ouais, ouais, t'as loupé un truc, Blake. Hein. Mais ils sont comme des animaux. Ah, bah là, je pense qu'on a énervé toute la LSPD, hein. Qu'est-ce que vous avez fait? Ils vont peut-être être. Course-poursuite sur course-poursuite, en fait, et on les a tous perdus. Faire jouer les mains. Ouais, il y a du people, ouais! Bon, big up à vous les cops, s'il y en a qui sont là et qu'ils étaient pas en game, big up à vous les gars, c'était marrant. Ah bon. Bon bah du coup on fait quoi parce qu'on a rien avant. Eh, on va faire un laser game ou quoi? On est 6. Tu feras manche. Bon, on peut en faire un après, on peut en faire un. On peut en faire un après, on sera. Enfin, un peu autre chose aussi, ouais. C'est dommage qu'on a plus rien à vendre quoi, c'est con. Bah ouais c'est parti vite quand même. Ouais, bah ouais. Après, on peut aller prendre des contrats et taper sur les voitures si vous voulez, mais vas-y. Ouais, au pire, vas-y, on peut faire c'est un petit laser guard pour détendre tout le monde. Ouais, je pense qu'on a bien charbonné cette semaine. Je pense un petit truc qui nous détendrait. Tu sais, on a charbonné, boy. Charbonné, mais on est loin encore. Mais vas-y, comme je pars, j'ai la. Ouais, fais un petit laser guard, tonton, histoire. Je vais chercher mon pistolet. Mais non, boy, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. On fait ça, après, on va prendre des contrats, on verra au cas où ce qu'on peut avoir. Et puis, on va essayer de zoner un peu à droite à gauche, au pire. C'est dommage, on a plus de cam. Comme le gars était bien liquidé, après, c'est bien. On pourrait s'organiser une petite race aussi ce soir-là. Avec la balance, on a fait une petite flica. Boy, pour faire la flica, il faut du matos, tonton. Qu'est-ce qu'on attend pour acheter du matos pour pouvoir faire des flicas? Bah, il faut des thunes, boy. Bon, les thunes, elles servent à acheter plus de billets et des pétoires pour tout le monde. Et doucement, une flica, man. Tu vois, viens, tonton, j'ai perdu 8 flingues depuis le début. Je le sens passer, hein, je vais pas te mentir. Ouais, bah dans ce cas-là, il faut contacter, on appelle les mecs pour avoir des billets. Comme ça, en attendant, on fait un laser game. Bah, comme je t'ai expliqué hier, comme eux l'ont dit, ça marche pas la commande comme ça, c'est demain, on en aura 600, et voilà. Voilà, ouais, bah oui, mais justement. Bah voilà, donc comme là, on a rien à foutre, go laser game. Voilà, un petit laser, ça va détendre tout le monde. Bah, viens, tonton, tu vas voir, c'est marrant. Bon, je veux pas te mentir, pour nous, ça va se faire chier, mais bon. Eh les gars, faut y aller progressivement en fait, faut. Ouais, mes gars, en fait, ils sont déjà tous partis en fait, c'est vrai. Les boys, vu qu'on est beaucoup, pourquoi on n'est pas tous partis en même temps pour faire un convoi, les boys, voyons. Bah, on est au peu en bas, hein, on est.
pas loin du Le Feu à côté du pénis. Ouais, je vais pas te dire, roule pas trop en convoi, mais c'est déjà compliqué pour certains. Allez, je veux la marche. Alors, ça va plus beau avec des primos, bon, on va se mettre cher. Roule pas trop vite, y'en a en primo maintenant. Ah ouais, merde, bah je roule à 50 alors. Ouais, la primo, là, se met des cops, je te rappelle. Les cops, c'est en vélo. Toi, tu risques de faire une superette en vélo, par contre. Ah oh, bon, je peux faire une superette en vélo. Ouais, tonton, ouais, toi, t'as mangé quoi, tonton? Bah, rien. Ouais, ouais c'est bien. Ouais, oh, non, mais c'est bien, là, ouais, bah, tu me demandes de te ramener de l'argent, j'ai tout le moyen possible pour t'en ramener, moi. Alors, les amis énervés, ça va les détendre un petit peu, tu vois, après, on va faire autre chose, t'inquiète. Quoi, en fait? C'est une œuvre qui s'étonne. Tu as ma caisse, on sait jamais. C'est pas qu'il y a pas de voleur à Los Santos, mais il y en a quoi. En plus, le laser game il est pas mal. Hein. C'est... Je l'ai vu à la dernière fois et tout. Ah, quand on l'a mis quoi, on mettait ça entre nous, le staff, et c'est pas mal du tout. Hein. Bon, Mara ou Bloods du coup? Qu'est-ce qu'elle donne là? Elle est pas belle. Ah bah, on a pas le choix. Si c'est bien, regarde, t'as pas vu quoi. Vas-y, ça va aller là. C'est quoi? Ah ouais, faut qu'on se met par équipe là? Ouais, bah c'est bon, les équipes elles sont faites, bon. Allez, va. Ah, c'est l'autre côté, pareil. Oh les bâtards! Je mets 3 joueurs par team, bah je crée la session en fait. Oh tu crées du coup alors? Ouais, c'est parti. Bah, c'est vrai. On est équipe rouge. Ouais, c'est ça. Attends. Enfin, verte quoi. Ouais, ouais, mais. T'as compris. Ah. Voilà. Je voulais aller trop vite. On a l'air mal, hein, tu vois. Ouais, malin, ouais. Bien comme ça. Ouais, je vais faire style que je connais pas comme ça. Cette... Bon, alors. Oh, les supporter. Ça commence dans combien de temps? Déjà commencé, je crois, tonton. Hein. Oh les bâtards! J'ai plus d'armes. Oh putain! Je les ai pas touchés! Oh. Ça arrive à deux quoi! Oh putain! Oh les bâtards! Qu'est-ce que c'est bordel? Ah merde, on a perdu déjà! Bon, on commence mal! Ah, faut y aller peu, doucement, ouais. Faut y aller doucement. Bon, là, faut pas faire de bruit. Certains ça campe de l'autre côté sa mère. Comme nous.
cadeau. Ça qui est bon. Bon bah ça c'est fait. Et accroupissez-vous, vous faites pas de bruit comme ça. Voilà ce que je veux. Je tiens de chez moi sans vouloir. Putain. Oh putain, bien joué. Ah, j'ai touché un de chez moi sans le vouloir, fais chier. Bonjour. Bon. Oh, c'est bon, ça, les boss. Bah voilà. Oh là là. Oh putain, ouais, comment? Oh putain. Bon, je vais être obligé de vous planter les man. Bon, c'est bien. Par contre, désolé, j'ai donné toucher un de chez moi, je sais pas ce qui s'est passé. Ah ouais, au moins c'est pour ça, faut pas être devant OG dans une fusillade. Ah, mais t'as, j'en ai couché deux chez. C'est qui j'ai couché la brosse? Moi, je crois que t'en as couché un. Moi, je me suis fait coucher avant. Ouais, c'était marrant. Bon, allez, c'est bien. Faire pas avec les cops, enfin, je rigole. Enfin, pourquoi pas. Ah ouais, voilà, ça c'est une bonne idée. Ah, toi, je me serais douté que toi, que ta citerne et tout, là. On peut se marrer. C'est trop bien. Bah, je vais faire péter ma citerne un jour. Bah, va monter dans le nord et tout. C'était les petits, ils sont prêts à bosser ou pas, hein, comment? On aurait changé de radio, nous, on est fous. Putain, ça a changé carrément de radio et tout, quoi. Ouais. Attends, bouge pas, moi, ils vont. Vas-y, voilà. Ouais. Peut-être que tu vas me payer ça. C'est dommage qu'on n'ait pas beaucoup équipé. Allez, la semaine prochaine, si on est encore bien, on pourra le tenter le putain de bijouterie. Non, bon, il n'y a pas besoin d'être super équipé. Ouais, boy, on a un gun suffit. Ouais, ouais, mais t'imagines, sur le père, on aura ce bouquin, ça me fait chier. Ah, moi j'ai toujours le mien, quoi. Et je suis en train de charbonner pour en acheter un autre. On s'en fout de toute façon, et si on le réussit, on en achète combien des armes? Je sais, Toton, mais bon. Bah voilà. C'est ouf d'être pressé comme ça en fait. On dit pas devant, comme ça c'est faut la faire la bijouterie en vrai. Ah, écoute, hein, j'ai pas le contraire. Ah, les OMS. Ouais. Bah, tu vas où, man? Bah, à ton avis, je suis là-haut, mais sauf que je passe par ici. Bah là où? Bah pour un contrôle. Là où t'es, maman? Oh, je pense pas que j'étais en route. Bah on va là-haut, pourquoi? Vous voulez aller où sinon? Ah non, bah là on va là-haut, mais pas par le chemin que tu prends là, je sais pas ce que vous faites là. Bah moi je prends toujours le chemin là, je prends l'autoroute derrière l'hôpital, pourquoi? Ouais, bah vas-y, on suit. Bah moi je pense pas que c'est en route. Pourquoi tu le fous au bout de lui pour qu'il vienne prendre un contrat? On va refaire un truc en médecin avec certains, il arrive après. J'ai l'impression qu'il se tape tata lui. C'est bon, c'est jamais. Il est tout le temps avec la tente. Oh tiens, ça bosse. Ouais, ouais. Je me suis déjà refait 5 000 $ là. Ben, tout le temps. Donc je vais refaire 5 000 par jour, donc dans 2 jours on rachète un flingue. Oh.
Mais le but, en fait, c'est pas... Moi, je flamme, ce qu'il fait, c'est bien, mais en fait, faut acheter le truc avec l'argent du quartier, en fait. On achète un flingue. Pourquoi ? C'est soit qu'on rachète un flingue dans deux jours, soit j'achète une maison demain. Achète une maison, si tu veux. Bon, après, je vais pas te mentir, tonton. En fait, on achète le matos avec l'argent du quartier, hein, tu vois. Bon, l'argent que vous travaillez, c'est pour vous, le boy, hein. Oui, bah, parce que j'en trouve de l'argent. Je bosse, donc vous avez tous peur de qu'on se fasse choper nos armes par les cops. Non, tonton, c'est juste qu'en fait, boy, avant que t'arrives, je me suis déjà tapé deux descentes, toi. C'est déjà pas mal, je trouve. J'ai fait deux fois la FED, je pense. C'est la routine, ça. Ouais, bah écoute, à un moment donné, je ressortirai pas aussi. Bah, si tu te mets qu'à faire la bijouterie en mode toi, tu te mets tranquille, tu vois. Là... Ouais, mais pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui est OP à 100%, boy. Je veux pas me lancer dans un plan au final qu'on va tous se faire serrer comme des merdes parce que ils vont faire chacun NUMPS et qu'on va payer plus cher. Putain, coup de chose. Mais pourquoi ça on en parle pas? Parce que moi je. Mais je te dis, là, il faut. On devait le faire cette semaine, boy, mais bon. Bah c'est pour ça. Et cette semaine on avait que deux armes. Moi j'en ai racheté une, ça en fait trois. Ouais, c'est ça, c'est ça. La demande encore 6. Putain. C'est sans payer, au moins comme ça, on en sent carrément bien. Parce que là, boy, si on fait la bijouterie, si on fait le plan là, au niveau du parking, on va se faire cramer d'entrée, on va pas se mentir. Hein. Allez, moi, tu m'as acheté une maison. Ouais, fais gaffe de pas piquer celle d'Oji, hein. C'est quoi celle d'Oji? Bah, il reste l'église et une maison, d'après toi, laquelle? Enfin, l'église. Je fais. Non, 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 pas. Allez, on va bien dans ton église, man. T'as vu un skip, il oh, est là, le... Attendez-moi, l'argent est mobilier. Oh, oh. J'arrive. Je ferai ça plus tard. J'ai de la place dans mon église. Vas-y, moi j'attends là-bas. Ouais, vas-y, dis-moi. Je t'envoie tout, comme ça au moins, voilà. Bah, tonton, faut qu'il prenne un compte rosé. Il est où? Il est dans la caisse? Je crois. Tonton? Tonton, boy. T'es là, boy, ou quoi? C'est bon point, quoi. Ah, celui-là. Ah, oh, okay. Ok. Vas-y, t'inquiète, j'ai entendu, moi. J'attends que tonton me dise et j'envoie. Bon. Ça, la température, elle vient de baisser, genre, du coup. Ah, ouais, chaud. Ouais. Oh, bah, du coup, ouais, bah, nous, on peut le faire. Voilà. Ouais, je crois. Quoi, il fait froid à ce point-là, non? Ouais. Bah, là, ça vient de. Bah, c'est pas qu'il fait froid à ce point-là, mais c'est que. Dès que c'est un peu trop froid, lui, il casse les couilles. Ouais, bah, on est en hiver, hein. Alors que le mec, il est en hiver, en débardeur, en écharpe. Hein. Ah, ouais, c'est clair. Vas-y. Bah, limite, on les cherche ou pas? Enfin, moi, si je m'en fous, on peut aller les chercher parce que des Huntley, ça se trouve vite. À Glendale, je trouve. Ouais. Ouais, vas-y. Vas-y, bah, on se retrouve quartier. De toute façon, bah, pas, on a une squad machin et vas-y. Vas-y. Thank you.
Tu vois, attends, demande-leur s'ils sont tous là mardi ou pas. Ouais, ils étaient dedans, mais le reste. Mais les man, vous êtes là mardi ou quoi? Oh, ouais, ça peut le faire. Mardi, on tape braquage de bijoutier. Putain, j'avais pas encore des wayboys, je sais pas, j'ai assez du monde. Faut savoir motiver cette troupe. Ah, mais écoute, tonton, si c'est pour les motiver qu'on finit tous au cimetière, ça sert strictement à rien. Hein. Ok, tu veux qu'on t'attende sur la route? Bah avancez le boy, ça va, moi je vois. Hein. Oh bon, par contre, j'ai voté, t'es un terroriste. Vous redescendez par l'autoroute, les mecs? Non. Vas-y, moi je vais prendre la contre. Le coup, y'a qui là? Pour mardi là, y'a Shadowing. Toi? Ouais. Toi? C'est ça. Ok. Spartacus, il est peut-être là lui. Je le mets sur le parkshot. Ouais, ok, mais alors relis tout ce qu'il y a avant, c'est tu remets deux fois une clé plus une dé plus machin. Quoi. Avec mon initial, comme ça on ne perd pas dans trop de messages. Ok. C'est bien de vouloir tenter des trucs, mais si t'es pas équipé, si t'as pas de plan, en fait, ça sert à rien, en fait. OG, c'est un clé, non? Ah non, c'en est pas un, j'ai rien. C'est bien de tenter des choses, mais c'est mieux d'avoir un plan et tout, pour vraiment que la scène soit carrée, quoi. Parce qu'on a eu la confrontation avec les balas, on va pas se mentir, tout le monde était un peu perdu sur certaines choses, donc... Le but, c'est. Moi, je veux faire une scène d'un braquage de bijouterie qu'on perd ou qu'on gagne, je m'en contrefous. Mais que la scène soit carrée et que les gens savent ce qu'ils ont à faire pour que la scène soit. Ouais, soit un minimum correcte, quoi. Parce que moi, je sens mal les bikers, là. Je sens mal les bikers. Je sais pas pourquoi. Ah, tout ça, t'entends qu'il y a au final le taxi qui demandait niveau les tatoueurs, c'est un bon cœur, bon. Ah ouais? Je crois que c'est trop froid, je crois. Qu'est-ce qu'il voulait? Je sais pas, bon, a priori, en fait, il regardait, soit disant qu'il nous respecte, machin, ça si, ça va. Inversé, super. J'ai plus l'impression que je suis, franchement, je pense qu'il va nous la mettre à l'envers. Je redescends. On va trouver putain de véhicule là. Du coup, mardi, Blake t'es là, Spartacus t'es là, Shadwick t'es là. Moi je suis là, hein, du coup. Ah bon, bah je pense que ouais. Pourquoi je suis revenu là, putain? Spartacus boy, t'es là ou pas? Ouais, il est pas parti faire un truc avec Tata? Oh putain, ouais. Bon, vas-y, tonton, parce que l'idée de l'autre autoroute, ça va être compliqué, je pense. Qu'est-ce qui ressemble à quoi, man? T'as pas. Parce que l'autre autoroute, j'ai du mal à visualiser avec la neige, je trouve pas, bon. De quoi, comment ça? Bah, tu sais, là, pour la deuxième voiture, tu vois. J'arrive pas à visualiser où c'est déjà, en fait. Ça casse le coup, putain de neige.
Bah c'est à côté de l'hôpital. Attention, c'est à côté de l'hôpital. Bah l'ancien hôpital. L'hôpital désaffecté, d'accord. Oui. Ok, donc c'est là-bas, ok. Tu passes devant l'hôpital, tu prends à droite, et c'est sur l'autoroute, tu sautes. Ah, c'est l'hôpital là-bas qui est désaffecté, ok. Qui est entre guillemets proche du quartier, quoi. Tu parles quel, tu veux beatbox, quoi. Je vais te montrer. Parce que l'hôpital désaffecté, il y en a ici, le bruit, hein. Pour moi, c'est sûr. C'est ton plan, c'est toi qui me l'as montré, Odin. Non. T'es fou. Oh, des fois, j'oublie. Faut arrêter de fumer, hein, vraiment. Des fois, j'oublie. Enfin, j'en ai tellement à force que j'ai plus peu. C'est clair que ça commence à être compliqué. Faire un braquage de bijouterie, c'est quand tu m'expliques un plan, le lendemain, tu te souviens plus. Bah, c'est clair, hein. On va se mentir. Hein. Ouais, moi je regarde pas en fait. Tout droit, tout droit. Je stream, je regarde pas les gars. Il faut que ça soit fini quand même. Voilà, là tu prends à droite. Allez, ça va. On a des optiques ou pas, Vandiapa? Voilà. Là t'avances. Ah, c'est pas celui-là. Ah, à gauche. T'en veux un, Babar? Vas-y, avance. Ah, c'est là-bas. Fosse, là, d'accord. C'est ça. C'est pas encore là, je crois. Non, c'est pas lui. Non, sinon c'est le putain. C'est de l'autre côté. Oh bah, je sais plus. Casse-toi, toi! Faut pas passer loin, toi, ton boy, hein. Pas gaffe, un SMI, pas un camion. Normalement, c'est celui-là, non? Ah boy, attends, vas-y, on a fumé ou quoi? J'ai même plus mon plan. Attends, y'a un souci, franchement. Ok, le Glendon est le concessionnaire, si vous voulez voir. C'est là, à gauche. Normalement, c'est là, sur la gauche. Vas-y, avance. Ah non, mais c'est juste derrière là, non? Faut sauter sur le toit et tu redescends derrière. Sur ce toit là? Tu penses que c'est celui-ci? Vas-y, recule. Même de là, de toute façon, on pourra sauter. Écoute, tu veux essayer? Je te récupère en bas, hein. Encore plus simple par là. Vas-y, bon volet de ça. Putain, c'est. Force, il y a tellement de plans à faire que. Vas-y, ça va me casser les couilles pour rattraper. T'es à peu près où, tonton, là? Ouais, bah, je suis là. Ouais, mais dis-moi, parce qu'en fait, là, j'ai fait l'itinéraire où, par exemple, les cops, ils veulent attraper la route, ils sont obligés de passer par là. Parce que les cops, ils sont obligés de passer par ici, donc ce qui fait que s'il est loin. Okay.
Vas-y. Moi, je suis atterri de l'autre côté, en fait, si les cops. Donc, le plus simple, ici, faut mettre des motos, clairement. Ah ouais? Ah ouais, parce que regarde. Toi, moi, j'ai fait ça, donc automatiquement, si on est ici, on va soit on part par là-bas, d'accord? Après, pourquoi il faut des motos? Après, tu peux partir par. Ouais, c'est tendu là. Tu sais que juste à côté, t'as le chemin de fer là qui. Regarde, reviens en arrière. Ah, bah t'as roulé sur la neige avec sur un chemin de fer comme voiture, bah il va pas se monter. Hein. Je prends un 4x4. Alors là, t'as la barrière, tu pourras pas passer, mais. Enfin, t'as la barrière de sécurité. Mais là où j'étais, moi, vas-y, avance, prends à gauche. Parce que les voitures vont être dessus le pont. On est d'accord. Ouais, ouais. J'ai ralenti, voilà là à gauche. Regarde, là tu les éclates les barrières. Vas-y. Oh, je me doute. Voilà. Attends, quoi, avec je un 4x4. Ouais, parce qu'une voiture c'est mort. Oui, mais avec un 4x4. Ouais. Avec le 4x4, là tu te barres. Hein. Tu reprends en direct à droite et après tu suis, tu remontes jusqu'à Paletto là, comme ça je crois. Alors rouler sur la ligne de chemin de fer les gars, c'est pas très RP, hein, pas se mentir. Après ouais, mais bon, 4x4, enfin, ça me pourrait quand même chaud sur les rails, je vais pas te mentir. Hein. Pourquoi? Bah moto, je pense qu'ils peuvent vite se barrer. Hein. Parce que n'oublie pas, s'il y a l'hélico qui vient ici, au moins en moto ils sont peu, ils se barrent où ils veulent. Bon enfin, il faut courir hein, jusque là. Ah mais on met les motos là en bas où t'as tombé, tu vois, on prévoit ça. Mm-hmm. Mais après tu peux prendre à droite et de toute façon s'il y a un hélico, il faut que tu restes sous le pont. Hein. Oh bah c'est pour ça, en moto je pense qu'ils ont moyen de s'amuser. Hein. Bon. Mais tu peux prendre à gauche et à gauche, à droite. Parce qu'en fait moi je suis revenu d'ici là-bas, donc les cops automatiquement ils vont tout prendre cette trajectoire là, tu vois. Mm-hmm. Ils redescendent ici à droite, tu vois, après ils rattapent, donc ils vont t'obliger de prendre la limite, prendre un morceau de route sans s'inverse. Mm. Oui mais ils vont le faire. Ah bah c'est sûr, tu vois, mais bon. Ça c'est pas un problème pour eux. Okay. Oh, personne fait rien les boys ou quoi là? Les boys, vous êtes là ou quoi? Ah ouais, on peut peut-être quoi? Est-ce que vous faites rien si vous arrivez pas à trouver une voiture? C'est pas grave, est-ce que y a moyen que je vous vois tous au quartier les gars pour vous faire montrer un plan? Pour la bijouterie, ouais, vas-y. J'ai envie de dire un truc, Audi. J'ai envie de leur dire, hein. Ceux qui ont envie de faire la bijouterie, vous le dites tout de suite, tu vois. Ouais, ils vont tous le faire, t'inquiète. Bon, après, cette scène lui sera pas là. Après, s'ils ont pas les couilles de faire une bijouterie, c'est bon, quoi. T'inquiète. Quoi, c'est facile à retenir, là, juste ici. Ouais, si, ouais, t'inquiète. Voilà quoi. Bah déjà, Bagnard, si on se met à 3 dans la bijouterie, il faut une personne par l'autre pont là, tu vois. Tu es d'accord? Mm-hmm. Parce qu'on va dire qu'on va pas être 6, qu'on va être 5 à la rigueur au cas où. Parce que. Et après, le reste, les 2Z, faut qu'ils viennent ici quoi. Faut qu'ils viennent, enfin, en truc de pont. Moi je serais d'avis, je vais pas te mentir, hein. Je suis dans la bijouterie, je prends une sultane. Je vais au premier échappatoire du parking rouge. Tu veux que je te dise, même si tu veux vraiment qu'on soit tranquille. Mm-hmm. T'as vu comment c'était fait, l'autoroute là. Mm-hmm. Eh ben, moi si tu veux, on pose une mule pour pas qu'il repasse par là. Hein. Ouais, après, ouais, si on a des gens en plus, ils peuvent poser une mule juste pour leur casser les couilles au cas où, pour au moins dire. On pose une mule sur l'autoroute, il fout une moto à côté, il se barre. Ouais, ouais. Parce que pour les deux, tu vois, une mule là-bas, tranquille, voilà, comme ça au moins ça leur bloque la route. Et si il y en a deux qui sont là-bas, du coup, ça faut mettre deux motos dans le quartier, ça c'est bien. Et après, au parking Projet Rouge, ce que t'as fait tout à l'heure, une seule personne, voiture qui l'attend de l'autre côté du pont. Juste faut pas qu'il passe de l'autre côté vers Mirror parce qu'il risque de retomber sur les patrouilles, tu vois. Faut vraiment qu'il se casse. Oui. Mais ça peut être bien. Enfin, montrer et tout. Et tu sais que même on peut faire partir de la bijouterie directement jusqu'à l'hôpital.
C'est que si vous faites, si on fait ça, on peut mettre deux mules du coup. Une à l'entrée, une à la sortie, comme ça ouais. On bloque les flics. Ouais, mais tu vois, j'ai envie de dire, si y a un hélicoptère, au moins on aura quelqu'un qui s'en sortira dans l'histoire, tu vois. Faut prier. Bah, tout le monde s'en sort en fait, si on bloque les flics entre deux mules. Ouais, mais l'hélicoptère, je peux y mettre un caméra en l'air. Hein. Après, je sais que tu voudrais bien y envoyer une cintarde dans la gueule, mais bon. Mais j'ai. Je crois que je vais être obligé de te faire des dessins, Audi. Mais non, en fait, Boy, toi-même, tu l'as dit la dernière fois, c'est l'hélicoptère, ça va être tendu, donc... Bah oui, mais si après on est tous en moto, on s'en bat les couilles. À moins qu'il y en ait qui savent pas conduire une moto. Mais je pense pas. On est que des pilotes ici. Ok. Et il en manque un, là où, dans l'histoire encore, non? Blake? Il est toujours avec Tata. Oh, Blake, t'es où? Qu'est-ce qu'il y a, ouais, wow, bah ramène ton cul au quartier, allez, dépêche-toi. Après, petit plan, les boys, pour la bijouterie, hein. Parce que toi, c'était, je sais que tu seras pas là, quoi, mais bon. Ouais, je sais, t'inquiète. Mais grosso modo, là, normalement, il y a moins que ça fasse. Sérieux, t'es pas là, toi? Demain, je pars en. Je retourne. Enfin, là, ce soir, je prends l'avion, je retourne en Jamaïque pendant 2 semaines. Ok. J'avais oublié, tu me l'avais dit. Moi je vais faire deux trucs les gars pour donner de la chance à tout le monde en fait, hein, clairement c'est le but de s'amuser. Je m'en fous de qu'on perd. Hein. Là sous les cocotiers. Ouais, du coup pour un des plans en fait on va servir ce qu'on a fait tout à l'heure au parking là. Ouais, il me fume avec sa caisse lui. Ouais, c'est la mienne que la mienne. Ouais, bah la sienne elle fait moins. Ah, c'est à lui hein. Oh yo. Putain. Ouais, bon. On a fait un petit plan pour une bijouterie de mardi, les boys. Donc, en gros, c'est j'explique. 3 personnes à l'intérieur de la bijouterie, ok. Il va y avoir une personne qui va récupérer une personne au niveau du parking rouge, ce qu'on a fait tout à l'heure, d'accord, avec une sultane. Et les 2 aides de la bijouterie vont aller à l'autre côté, à un endroit qu'on a vu avec tonton. Il y aura 2 motos qui vont attendre en bas. Et si on est un de plus, on pourra mettre une mule comme tantôt a dit, au moins les cops quand on va arriver vont être face à une mule. Après voilà en moto, hein, soyez intelligents, repartez pas vers les cops. À la casse là. Non, c'est pas encore à la casse. Bon, du coup, on va y aller, tranquillement, on va bien voir. Tout le monde, d'ailleurs, on fera une répétition, je vais pas vous mentir, parce que... En fin de répétition, il faudra essayer de zoner pour prendre un peu d'avance ou certaines personnes se baladent pour qu'on puisse avoir un otage tranquille. Un seul suffira, je peux vous mentir. Après, ok. Voilà. Donc tout le monde connaît le plan de du parking rouge. Ouais. C'est ce qu'on a fait la dernière fois, tout le monde. C'est ce que t'as fait. Hein? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas encore celui-là en fait. Ok. Bon, je m'en serais douté. C'est celui-là qu'on a fait juste avant où t'as récupéré ton temps, Shadok. Ouais, moi je vois, mais c'est vers l'escalier. T'as vu, en face du parking. Bah, celui-là, c'est moi qui arriverai avec la sultan au niveau de l'escalier, comme ça. Bon, voilà. Au pire, on va voir tout ça, et puis on fait. Ah, mais c'est ce qu'on a fait avec vous, avec la dernière fois. Avec voilà, la voilà. Ouais. Oh, ok. T'as vu, tonton, il faut pas que des dessins. Ouais, ouais. Bon, après, ça, parce que là, c'est simple. Voilà. Après, par contre, l'autre côté, ça va être vraiment. Celui qui. Ah, grosso modo, on va y aller. 30 secondes, même pas 10-15 secondes avant d'y arriver. Allez, go boy, écoutez, parce que je vous jure, si vous y restez, il faudra pas venir plus après. 15 secondes avant d'arriver, on détache la ceinture, comme ça on prend de l'avance, en même temps que la voiture soit vraiment bien arrêtée pour éviter une couille. Ouais. Et après, voilà. On va y aller, ok? On va y aller. Ouais. Tu viens à cette tête du coup ou pas, même si, enfin, si t'es pas là, c'est pas grave, quoi. Un truc vite fait, comme je suis pas là, je me dis, moi, j'arrive. Vas-y, ok. Bon, pose-moi chez Tata. Pose-moi chez mon père, s'il te plaît. Faut que je mette de l'essence. Venez devant chez moi. Ouais, faut que je mette de l'essence, je sais pas. Faut qu'on mette de l'essence avec l'audio. Bon. En fait, il y a besoin que d'une voiture, quoi, en fait. J'arrive. Ah putain.
Ah là là. Moi ça change pas. Ils me font rire derrière. C'est beau, ils sont tous là. Ouais. Ah, c'est branché les EPS. Par contre, je sais pas où elles sont. La oh, visite. Voilà la bijouterie, les boys. Je crois qu'il y a l'agent immobilier aussi. Le quoi? Ah bah apparemment il est pas. On parle de l'agent immobilier. What the fuck? Y'a des motos qui nous suivent. Non, non, mais t'inquiète, c'est une moto sportive, c'est pas les motards. Enfin, on m'a dit que c'était bon. Non, je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il raconte, on va dire? Bah, t'es où? Mais non, mais. Bah, je suis dans la voiture avec Audi. Mais regarde, ils sont tous comme deux gouttes d'eau, c'est incroyable. Ah putain, ouais, mais. Ça m'énerve les cols à la con là hein. Je sais pas si c'est moto qui me suit intéressant, mais paf hein. Du coup, vas-y, mets le GPS pour le pont de l'hôpital là. Enfin, tu me l'as vu avant. Là, on va aller à l'endroit où les où vous avez deux motos vous attendent en bas, ok les gars? Ah, c'est bon. Ouais, environ 2 km. Ouais, ouais, mais le problème c'est que là, il va te faire passer par l'autoroute. Ouais, donc, on évite l'autoroute. On va couper vers le bas, moi, ça permet. C'est ça. Puis après. T'as quand même tout droit, tu vois bien. Ah voilà, moi je préfère cette route là. Ouais, comme ça on rattrape. Ouais. C'est surtout qu'après, comme ça, c'est que de la ligne droite en fait. Mmh. Donc c'est facile. Oui, c'est parce qu'il faut pas qu'ils se fassent planter ici quoi. C'est ça. Dis leur qu'ils essaient de me mémoriser. C'est pour ça, en partant de la bijouterie, tu passes devant le Burger Shot, tu reviens sur cette route là. Ouais. Et c'est toujours tout droit après. C'est vrai, t'as autant de monde, bah tant mieux si t'as autant de monde. Cool hein. Ah les gens ça ils vont commencer à avoir des thunes, ils vont acheter hein. Ils vont acheter. Après c'est vers où en fait là? Vas-y, à droite. Droite, gauche. Ah, droite ou gauche? Gauche. Gauche. T'es arrivé. Loin, donc,
De quoi? Il y a une banalisée qui nous suit. Pourquoi approcher même plus là, vas-y. Avance. Ouais, c'est là-bas quoi, au niveau de la boîte. Ouais, c'est là à droite. Et ouais, donc en fait, il faut qu'on. Ah ouais. Là, c'est derrière en fait. Au pire, il tape un demi-tour là en fait. Hein. Mmh, oui. Bon, les boys, vous voyez où on est, c'est juste là en fait. Quand vous allez arriver, il va falloir taper un demi-tour, vous positionner dans l'autre sens et vous sautez au niveau d'ici. Voilà. Lui, il saute comme ça. Vous pouvez sauter ici, vous atterrissez en bas, il y a des motos qui vous attendent. Man, non, il a sauté comme ça, il a failli crever lui. Ouais, il était crevé. Ok. Mais attends, mais il y a où là? Après, il faut venir me chercher. Ah non, c'est pas si haut que ça, boy. Ouais, enfin, il y a bien 4 mètres là, non? Non, non, ça, t'as l'impression qu'il y a 4 mètres, mais en fait, non, il n'y a pas 4 mètres. Attends. Oh, il est con lui. Ah ouais, si tu sautes comme ça, c'est sûr que t'as avoir mal là. Je sens que ça va être tendu, je sais pourquoi. Je sens que ça va être tendu. Sinon, vous avez saisi la chose ou pas hein? T'as dit quoi, moi? J'ai dit, vous avez saisi la chose ou pas? Ouais, ouais. Faut que je travaille les chevilles pour pas faire mal, mais vas-y. Pourvu, ça fonctionne. Ouais, c'est moi qui l'ai acheté, comme ça quand il veut, tout ça, pas vu, ben on va en voiture. Ah, 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 ça marche. Ok. Bah c'était un Caillou Perico machin chouette là. Bah ouais, c'est une idée, juste que j'ai fait un malaise avec l'avion. Ah, bah ça va. Ah, ça fait peur. Ça va, il est bien atterri l'avion, c'est déjà ça. Bah ouais, il a atterri. Ok, ok. Bah écoute, pour l'instant j'ai toujours pas de nouvelles au niveau du tatoueur hein, pour ce que tu m'as demandé. Pourtant je sais pas lancer les annonces mais j'ai rien. Ouais, bah t'inquiète. Okay. Pas expliquer, on va venir se tatouer hein. C'est pas qu'on peut le retourner d'initiation chez eux. Ok, ok, vas-y ça marche. Bah écoute, allez. Attention à toi et bonjour à Junior et Vlad, ok? Ça marche, à plus. Vas-y, allez big up. Ah, ils sont partis là-bas. Hmm.
Faites quoi les boys, j'ai du mal à vous suivre, je vais à gauche, droite, à gauche. Oh, je sais plus les boys, mon pauvre cerveau va éclater. Bah du coup mardi on fait la bijouterie tu vois, déjà pour commencer hein. Enfin toute répétition lundi, enfin demain du coup, hein. Même avant hein. Ce qu'on fera c'est que les coordonnées GPS seront mises dans vos téléphones, comme ça au moins vous serez sûr. Bon vas-y je vais obéir, j'arrive, je vais m'occuper de la voiture. Au moins ce sera déjà ça. Ouais là, là, on a plus rien avant, on se casse les couilles. Ouais. Bah... Oh j'ai le coup, oh, enculé toi. Oh t'as pas passé loin. Oh hein. Mais c'est un truc comme ça qui... Oh. Hein. Watch, watch, watch. Show boy. Putain, il refait assez chaud pour les contrats. Non, vraiment, je vais pas te mentir, j'ai un peu la flemme là. Oh moi aussi ça, ce soir je pas... Ah, je me dis vas-y, y'a eu assez de travail, moi je pars demain là, j'ai la flemme de me péter la tête là. Même pas demain, je fais que dire ça, mon appart, bon... Oh vas-y c'est bon. On perd on peut se taper une petite superette encore hein. Ah bah bon, c'est carrément chaud. Ça vous dit ou pas? Ah vas-y moi je suis chaud. Bah, hein? À 4 les boys. Bah ouais. À 4 bon, ça sert d'être à 4. Mais tu sais quoi, on va même prendre un otage. Ouais non tonton ouais, on va éviter pas, pourquoi? Moi j'aimerais bien pouvoir prendre mon avion ce soir quand même. On va éviter tonton parce que voilà quoi, pas de pointeur. Puis on va acheter une AK avec non? Ouais vous voulez pas vous faire de la thune hein. C'est fou. Bah c'est pas ça boy. Eh ouais, c'est que tu prends la c'est pas de négocier la rançon d'un, de la vie d'un type c'est... Ouais on aura jamais la rançon du mec hein, je te rassure. Ils vont arriver avec des M4 sur nos gueules, ils vont faire bah la rançon tu te la fous au cul et tu sors tu vois. On, va on peut se faire chacun, enfin disons de superette de deux tu vois. Ouh on en fait 4 en même temps. Ouais, ça me pas sûr qu'on puisse. Ah, 4 ça va être compliqué, je pense. Mettre 2 déjà. Go faire 2-2, moi ça me va. Hein. Ouais, allez. Moi, j'en ai pas encore. Hein. Moi je veux pas vous mentir, je fais ça avec ma primo. Donc, qui c'est qui veut monter avec moi? Bon, vas-y, bah moi je fais ça avec la mienne. Allez hop. Ah, ouais, bon, allez, vas-y, voilà. Ok. Ah, vas-y, bah c'est allez, parti, on va primo. S'amuser. Allez. Allez, boy, c'est lui qui se fait choper. Si je me fais choper, vous me devez 200$. Hein, moi, tonton, je vous rassure. Hein. Ok, si vous vous faites choper, bah, je te donne 200$. Et si nous on se fait choper, ça serait de votre faute, c'est vous qui nous donnez encore 200$. Non, Maro. Tu vois, je suis bon dans les négociations. Ouais, il fait ça en fait, c'est son perso en fait. Hein. Ouais. Bah, par contre, je suis pas sûr, OG, qu'on puisse faire deux superettes en même temps. C'est quoi ça? Délire, boy. Et moi, une voiture ouais, cramée, je pense qu'il y en a qui sont pas. Attends, il y a quelqu'un dedans. Ah, bah ouais, bah là, il est mort. Hein. Bah, je crois. Ouais. Force à toi, boy. Hein. On va voir, en pire, c'est pas grave. Hein. Vous faites quelle superette? Ça dépend, vous voulez faire laquelle? Ouais, parce que les deux sont pas encore contactés, Clément, parce que là, normalement, ils ont tout pour vous contacter. Sinon, hein. On fait celle de Mirror Park. Elles sont où, hein? Pour laquelle? Je sais pas. Ouais, ben on fait ça dans le ciel, là. Ah, bah, il faut un étal ciel. Vas-y. Bah, ok, très bien. Bah, nous, on fait ça à la côté du Boisel. Ah c'est con parce que là ils ont tout, ils sont je sais pas combien là, les gars faut bosser, là vous me devez 15 000$ hein, je vous dis clairement. C'est à côté du voisin là, Brian. Ah. On va sur un Mirror Park nous. Attends, on la lance en même temps. Les gars. Ben non, en plus normalement ils ont tout pour faire quelque chose les Los, ils ont le numéro du cartel, ils ont tout les gars, je vous le dis, normalement ils ont tout hein.
Vous avez tout, hein. Bah, mate, les gars, je crois que vous avez pas passé commande au cartel, je crois. Je suis sûr. Enfin, j'en sais rien, après, ça, c'est Narcos qui gère. Ah, si le. je sais pas si tu penses pareil que moi, Clément, mais s'ils ont été se servir. J'ai plus une barbe. On va être en position, les boys. Ok. Bon, c'est porté. Il a pas de coffre. Ah, pou, allez. T'es sérieux? Oh non, si, c'est lancé. Ah putain, non, il veut pas. Ah ouais. Vas-y, viens, on va trouver notre. Putain. Tata. Oh Dieu, t'as marché dans une merde de chien. Oh, bah. Bon, tu t'es sous les pieds. Ouais, bon, bah, c'est à côté du burger, je sais pas, on va voir. Vas-y. Putain. Je crois qu'elle est pas braquable. Je crois qu'on peut. Oh non, oublie, putain. Il y en a une plus bas là, à gauche, derrière. Vas-y. Comme ça. Ah là-bas, ouais, je vois. Voilà. Vous avez fini votre super-aide? Ouais, là on vient de partir, on a un 4-4 derrière nous. Putain, elle est loin, boy! Oh ouais. Oh, ça va être tendu, hein! Bon, on est presque arrivé déjà. Ah, moi je t'avouerais, soir les Lost, je les ai pas vus. Hein. Je sais qu'hier ils ont guetté un peu en face du tatoueur, je sais pas trop pourquoi. Mais je les ai pas vus. Bon, on va essayer de rentrer quartier. Putain. C'est bon, Audrey. Poule a pas peur. C'est bon ou pas, hein? Je sais pas. Ah, fais le coffre, fais le coffre. Vous allez faire la super, ouais, c'est bon? Hello. Ah, parce qu'en fait, ouais, okay, c'est bon. Putain, elle a fait un pompe, le bâtard, fais gaffe! M'a touché, je suis pas bien! Je suis pas bien, boy! Vas-y! Je suis pas bien! Il a fait un pompe, le boy, il m'a touché, l'enculé! Oh, ça m'a dit! Oh, je l'ai descendu!
Putain. Tiens le coup, OG. Ah mais en fait je voulais le cut quoi. Sa mère. T'es où, OG? Je voulais le cut, mais genre j'ai tapé dans je sais pas quoi là. Vas-y, on va en haut, on pose la voiture et on arrive. Oh Colin. Il a déposé le sac comme moi. Oh non. Quelle de pauvre. Ouais, j'étais bloqué par le truc quoi. Oh délire. C'est chier quoi. Putain, il va falloir que je conduise, je crois. Ouais, t'as raison quoi. C'est bon. T'inquiète pas, Audi. Ça va aller. Mets-toi dans le véhicule. Oh putain. Vas-y. Let's go, c'est bon, on parle les boys. Mais c'est fou au cul. Oh bah ça sent la scène EMS hein. Vas-y, donne-leur les positions. On va quasiment revenir au niveau de la bijouterie. Hein. Attendez, on revient vers le centre-ville, on va possiblement passer devant le Bahamas. Vers quasiment Little Seoul, boy. Vision News. Mais il vient de les croiser. Hein. C'est bon. Ah, c'est chier, majuscule. Parce qu'il y a peut-être un plan. Après, bah, c'est bon, les Asmer. Il dépose à la marina. Non mais c'est bon, dis là que c'est bon. Et nous on t'attend de l'autre côté, en voiture. Et je crois que j'ai un petit sens, c'est bon. Et tonton il fait juste un demi-tour et il se bat. Oh le boy, je suis en train de me vider de mon sang, la poule de copse au cul. Ça ramène au quartier. Après Blake, on va pas te mentir, il a peut-être tapé une bagnole de pute alors. Oh putain. Ouais, on y va. Le truc c'est que y aller avec la primo, ça craint. Oh t'as plus pour rien. J'ai pour mon bout de neige que j'ai appuyé, putain ça fait mal. On va jouer le pen hein. Les gars, parce que j'étais touché quand même quoi, pas beaucoup par le pompe mais voilà quoi. Ça va donner une scène aux obèses, ils sont contents.
Et comment tu as expliqué ça, monsieur NF? Ah, boy, je... Pas de compliqué, j'espère que je vais tomber sur le deux capitules et sur tout ça. Je te dépose ici en urgence. Vas-y. Je vais garer la voiture en bas. Oh, ça pue du cul ça. Mais, vas-y, soulève-moi à l'hôpital, gros, vas-y. Yoman. Salut. Ça va, Dieu? Non, j'ai pris une bataille. Sur toi, j'irai m'asseoir quand même. Allez, bonne soirée. Au revoir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Salut, Vance. C'est pour mon... Alors, bon, je viens juste Bah, j'ouvre ma veste en fait, j'ai pris un petit peu de plomb. Okay, bah, moi j'ai passé la mienne là, c'est bon. D'accord. Vous allez réussir à marcher? Oh, ouais, j'entends ma vidéo, mais c'est bon. Allez-y, venez. Il y a Elos à l'hôpital, sérieux? Hop, allez. On va prendre ici. Qu'est-ce qu'ils font là, Elos à l'hôpital? Ça fait sauver ou quoi? Je vous laisse vous allonger sur la table. Ça me fait soulever, mon ami. Ouais, je me suis mal mis. Je pense qu'on a dû se faire soulever. Juste le temps de remettre une paire propre et je fais à vous. Voilà. Alors, vous avez pris du plomb. Et bah, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous preniez du plomb? Compliqué. C'est compliqué? D'accord. Ok. Au niveau de votre main gauche. C'est à mon avis, les Los sont fait soulever pour qu'ils soient à l'hôpital, non? Ouais, alors, voyons voir ça. D'accord. Ok. Bon, déjà, bon. Vous arrêtez l'hémorragie. Prendre des compresses. Parce qu'il a fait le con avec les flics, il a voulu les empêcher, je pense, de faire la course. Je vais compresser, ça va vous faire un peu mal. Il s'est fait expulser de sa bagnole. Donc, hôpital, into commissariat. Okay. Hop, voilà, parfait. Putain, c'est la première fois qu'un pou, il me sort le pompe, l'enculé. Mais bon, j'ai récupéré sa caisse et tout, comme ça, au moins. Ok, je vais soulever tout doucement. On va essayer de voir quelque chose. Ok, bon, la balle est encore à l'intérieur. Ok, bon, je vais devoir vous enlever la balle. Je vais vous anesthésier au niveau de la main. D'accord. Pour pas que vous sentiez. Hop, on va laisser la compresse le temps que je prends les... Hop, pardon, le matériel. Ah oui, il peut voir où j'étais touché, donc c'est à la main que j'étais touché, t'es bien. C'est cool ça. C'est compliqué pour faire les tatouages. Voilà monsieur, alors je vais piquer juste au-dessus de votre main pour vous endormir la main, d'accord? Comme ça vous allez rien sentir. Voilà. Parfait, le temps de prendre le fil à pince et ça va s'endormir.
Ah, c'est moi tuer le MS là en plus. Hein. Ok, reçu. C'était Stéphane. Je sais pas s'il va appeler les cops, Mathieu. Normalement, ouais. Ok. Alors, si je touche Nivla au niveau de votre main, est-ce que vous sentez quelque chose? Je peux rien, ça m'inquiète. Ok, c'est parfait, ne vous inquiétez pas, c'est normal. L'anesthésie a fait son effet. Ok, allez, on va pouvoir désinfecter ça déjà. Ok, parfait. Nickel. Ok, allez, on va extraire la balle. Voilà, parfait. Alors, dis, tonton, vous êtes où? Je vois à peu près ce qui s'est passé. T'as vu cette annonce? On est à l'hôpital. Ok, voyons voir. Bah, vous avez de la chance. Votre os n'est pas touché. Vous étiez en voiture, enfin, ok, parfait, nickel. Ouais, okay. Bon, votre main va survivre, je vous rassure. Oh ben. Vous n'allez pas la perdre. Non, on va même l'attendre en salle 2, c'est pas mieux. Hein. On va déplacer le ventilateur. Ok. Voilà, parfait. Salle 2. Les saignements ont l'air d'être arrêtés, nickel. Eh ben on va pouvoir recoudre ça. Hein. Y'a un de chez moi qui a pas mis la ceinture, il s'est fait exploser quoi. C'est con ça en fait. C'est con. Voilà, on va vous faire 3 points. Et pour quel fait? Hop. Du coup, on travaille la police, je vous ai foncé dessus sans faire exprès, je vous l'ai même dit. Voilà, nickel. Parfait. On va vous mettre un beau pansement là-dessus. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce qui est dans un lit d'hôpital aujourd'hui? C'est vous ou moi? Est-ce que vous pouvez demander à votre patient de parler un peu moins fort, s'il vous plaît? Mais n'importe quoi, je vous ai dit. Voilà, on va vous faire un beau bandage. Oh, c'est bien. Pour ceux que je vais tatouer les gars, je vais faire appel à des stagiaires, vous allez pas être prêts je crois. Voilà monsieur. Parfait. Hop, bougez pas. Je vais vérifier derrière vous. Non, vous inquiétez pas, je fais juste un contrôle, voir si vous n'avez pas d'autres blessures ailleurs. Ok, parfait. Vous n'avez rien dans le niveau du dos, la tête non plus. Ah, la poule m'aurait mis coma, ça aurait été énorme. Ok. Ça aurait été énorme. Très bien, monsieur. On va finir ça et vous allez pouvoir vous relever après. Je vais vous donner des antidouleurs. Il faudra donc repasser à l'hôpital pour voir la plaie et voir si c'est possible de retirer les fils. Et ça quand? Écoutez, pour moi demain. D'accord. Attendez, je décroche simplement. Allez-y. Vite fait, disons que j'aimerais un petit morceau de plomb dans la main, pourquoi? Ah, c'est pour ça que t'as une voix bizarre. Je me disais, c'est bizarre, t'as une voix bizarre, on dirait que t'as fait les sauces d'adultes. Je reviens non. Tout de suite, hein, monsieur. Pourquoi il t'arrive quoi? Du coup, t'es les heures occupées ou je peux te parler? Ouais, tu peux me parler de manière. Je vais aller faire un tour au salon et tout. D'accord, bah en fait
fait, on voulait te présenter un projet qui nous tient à cœur pour lancer notre carrière dans l'animation. Dans l'animation, tiens donc. Oui. Du coup, on compte faire un spectacle de Noël. Et puis avec Vlad et Junior, et on va faire une tombola de Noël. Et puis on demande aux commerçants s'ils peuvent faire un petit zeste pour l'esprit de Noël sans vous mettre dans le mal. Ouais. Tu vois, c'est ce qui te fait perdre de l'argent. Ouais, ouais. C'est ce qui me fait perdre de l'argent qui va te faire gagner de l'argent. Bah, du coup, il va pas te faire gagner de l'argent, mais un truc qui te fait pas perdre de l'argent, tu vois, un cadeau. Ouais, t'inquiète, c'est pas grave, ça me dérange pas, y'a pas de soucis, même ça. Ok, du coup, tu peux faire quoi, toi? Tu peux faire quelque chose ou pas? Si tu peux pas, c'est pas grave. Écoute, je vais regarder les comptes à la boutique, je te dis d'accord. Ok, d'accord. Même un tout petit truc, hein, ça marche aussi. Ouais, t'inquiète. Hein, tu sais très bien que je peux vous délaisser dans la merde, donc roule au camp. Ah, bah, c'est super gentil. Merci, Dean. De rien. T'es à pied ou t'as une voiture? Ah, j'ai une voiture et tout. J'ai une voiture, mais bon, je vais essayer de faire au plus vite parce qu'à mon avis, je vais avoir des petits bonhommes bleus pas très loin. D'accord. Bah, fais attention et puis arrête de tirer dans ta main. Hein. C'est pas dans la main qu'il faut tirer. Comment t'expliquer que c'est pas moi qui fais ça? Ah bah il est pas très gentil le monsieur qui t'a fait ça. Est-ce que vous avez une pièce d'identité monsieur? Oui j'ai une pièce. Je vais faire votre Je t'expliquerai à toi parce qu'il y a le docteur et il me fait peur en plus. D'accord. Des bisous, fais attention. Ouais t'inquiète, je te dis que j'arrive, d'accord? Ça marche, joyeux Noël de l'avance. Merci toi aussi. Ah du coup ouais, une pièce d'identité, ouais. Voilà, je peux me lever ou pas? Ouais, allez-y, monsieur. Ah, bordel. Ah, parfait, merci, monsieur. Donc, monsieur Chester, d'accord. Bordel, ça fait mal. 67, t'avais dit 69. Alors, donc, la petite plaquette qu'il y a sur le bureau, donc c'est les antidouleurs. Donc, vous pouvez en prendre 4 maximum par jour, d'accord. Si je prends la boîte, c'est parce que. Alors, c'est du paracétamol, donc faut quand même éviter de prendre la boîte d'un seul coup. Hein. Ouais, bon, ok, je ferai un mélange. Parce que vous risquez de nous faire un petit coma sinon. Comment? Donc, vous avez très bien compris. du coup, les antidouleurs et cette plaquette là, donc c'est les antibiotiques. Donc, un matin, midi et soir également. Atome. Invisible. Hop, voilà, je vous rends aussi votre pièce d'identité. Et donc, je vais vous laisser signer juste ici en bas pour la petite facturation. Putain, tu es combien? Voilà, je vous laisse signer juste ici en bas. Oh, ça va. Parfait. Merci, monsieur. Ok. Et bah pour moi c'est tout bon monsieur. Coucou. Hop, je vais vous raccompagner. Au niveau forme, vous vous sentez à 100%? Ouais, c'est vrai, je pète la forme, c'est un truc de fou. Ok, bon ça va. Je vois des étoiles. Ouais. Bon, votre main, vous inquiétez pas, elle va se réveiller. Hein, Okay. Vous sentez rien, mais votre main va se réveiller au fur et à mesure. Coucou. Allez-y. Ah, mais c'est... Voilà, monsieur. Bébé, monsieur Chester. Petit problème. Ah là 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 là. C'est ça. Vous aussi, on va vous donner une carte d'abonnement. Ouais, mais ça, c'est compliqué. Ma foi. En tout cas, soyez prudent, j'espère que c'était pas trop grave. Non. Très bien. Ok. Ouais, super, je suis pas fini à l'hosto, je me suis tiré dessus par un pont. Le monsieur. Visite okay, médicale. Je vous renseigne, vous avez vu, j'ai travaillé là. Ce que j'allais dire, c'est pas travailler ici. Pour mon job. Une vie, mais qu'il y a du travail. Voilà. Les cops, ils sont réels et... C'est de contourner. T'as mis où la voiture? Bon, t'es sorti, Angie? J'en suis en train. La voiture, elle est au sous-sol. Merci, mais il arrive un peu.
ça avec tonton. Oh putain, on va essayer d'esquiver les cops hein. Bon G, oh. Comment s'en va? Écoute, putain. Il a tiré, mais ça va, j'ai pris une balle dans la main. Enfin, bon, ça plombe dans la main, quoi. Oh putain. Bon, t'en as de la chance, hein, quand même. Ah ouais, j'ai de la chance, ouais. Mais non, man, j'étais en vert. Mais justement, c'est pour ça que j'étais en vert et le masque que j'ai là, c'est le même masque que j'avais, donc c'est pour ça que je le mets pas. Ok, parce que moi je l'ai fait, j'étais habillé comme ça. Bah y'en a un qui s'est fait péter parce que j'ai compris. Dit franchement, apparemment il a foncé dans le camp ça. Hein. Ouais, je l'ai vu, ouais. En fait, au début je pense qu'il a voulu le gêner ou quoi, et en fait il lui a carrément tourné dessus, il a glissé et il lui a foncé dedans, tu vois. Oh bah, sans ceinture. La fast strike quoi. Ouais, un peu, Moi je prends une putain de pompe dans la main. Fait OG là. Parce que j'ai vu l'annonce du unicorn qui est ouvert, donc on est allé voir vite fait. Quoi? Et il y avait un ballast là-bas. Et les petits aussi d'ailleurs, tu vois. Mais justement, c'est pour ça que je voulais voir s'il y avait les types qu'on cherchait, mais visiblement pas. Et donc, on arrive, et je l'entends dire au gamin, ah, il y a les poireaux, tu vois. Brocoli, bon. Donc, le brocoli, ouais. Je me dis, ok, bah donc super, le manque de respect, on est là. Donc qu'est-ce qui leur arrive, les betteraves? Et je lui ai dit, qu'est-ce qui t'as quoi, face de poulpe? Parce que tu sais, c'était le mec, tu sais, quand il nous avait braqué la première fois là. Le mec qui était. Et bah, je lui ai dit, qu'est-ce qui t'arrive, face de poulpe et tout? Et il me dit, bah, qu'est-ce qu'il y a, les boys, je peux vous servir à boire? Je lui ai dit, mais yo, tu crois, on t'a pas entendu, tu fais le malin, tout ça? Il me dit, non, j'ai jamais dit ça. J'ai fait, ouais, ok, vas-y, ta mère, vas-y, bonne soirée, tu vois, on est parti. Parce que sinon, ça allait monter pour rien. Mais bon, super, la trêve, elle va durer longtemps, je le sens, moi. Je te le dis, boys, ils vont chercher le sprint, en fait. Ouais, bah, tu vois. Okay. Non, bah, moi, c'est bon, je te jure que ça allait monter, j'ai dit, vas-y, je me casse, parce que sinon. Je lui péter la gueule. Bah moi faut que je fasse un tour au tatouage pour faire des comptes et tous ces conneries. Hein, bah, c'est pas pour mon salaire de demain. Bah, après au pire c'est volé, on peut quand même aller faire un tour à l'unicorn. Hein. Ouais, non, moi suite. Il faut que... Moi je le dépose. Ah ouais, on va casser la trêve direct là. Non, on va pas casser la trêve. Ah ouais, ça y est là, tu m'as chauffé là, je vais aller. Non, on va pas casser la trêve. Ma valise, man, et après, ouais, on va pas casser la trêve, j'ai cassé la gueule. C'est différent. Faudra que j'y aille, tu vois. Moi, tant que je te dépenserai à l'aéroport. Ouais, putain, mon petit ZZ, pendant deux semaines, hein, ça fait bizarre. Je cherche un camion citerne, tu vois. Ah ouais, bon, putain, alors là, c'est comme un citerne. T'inquiète, je prendrai des nouvelles, hein. Ah ouais. Au pire, si tu veux un truc, tu peux prendre tonton, il a plein de camions citernes dans sa poche. Ah bon? Bah, pas dans ma poche, mais il y en a plein sur l'autoroute. D'accord. Bon, vas-y, moi, faut que j'aille à la maison faire la valise. Tu peux m'emmener, Babar? Moi, ouais. Vas-y. Si je t'en veux pas, boy, dans deux semaines, hein. Vas-y, bah ouais, si bien, puis faites gaffe à vous quand même. Ouais, t'inquiète. Bah, allez, vas-y. Vas-y, je vais faire péter l'unicorn. Ramène des trucs bien de là-bas. Ouais, bah, si ça passe la douane, je vais essayer. Bah. Vas-y. Moi, tu nous ramènes dans la weed, boy. Hein. Ouais, pas la femme d'enfant, pas mal. Vas-y, va go, tatouage. Hein. Alors, j'ai remarqué que là, il faut faire attention quand on monte. Ouais, faut que tu montes le rouge, je te rassure. Je sais pas si tu le savais, mais... Une fois, je me suis fait buzz. Encore deux secondes. Mieux avec leur véhicule quand même. Bon, vas-y, fais un tour au pire au quartier, hein. On va dire au revoir à ZZ dans le temps, ça va aller. Ouais. ZZ, tu fais ta valise maintenant? Ouais,
Bah ouais, là, il me dépose vers les lampères, là. Bah vas-y, bah on va fumer tous un joint ensemble avant de partir. J'ai pas compris, on va fumer quoi? C'était quoi cette voiture? Je sais pas, boy, mais... On va fumer un bon joint, boy. Ah bah carrément, moi. Et tout se passe, c'est à la maison, hein, t'as à gauche. Moi. Oh, ça fume, ça dort au pire. Hein. De quoi? Oh, ça caille. Ouais, mais par contre, je passe ma valise, man. Oh putain, tu fais chier. Hein. Bah ouais, mais bon. On se réchauffe. Voilà, tu vois, on est à l'intérieur, on va pas essayer de cul dehors. Bon, allez, rentrez les bras. Allez, vas-y, on rentre. On va vous servir, hein, si vous voulez des trucs dans le frigo. Oh putain, c'est enfin de merde trop chaud. Bon, après une supérette, rien qu'une bonne petite bière. Moi non. Moi, si rien de bonne petite bière. Moi, c'est tout, c'est quoi? Une fabrication du baseball, tu vois. Mm-hmm. Tu vas me dire ce que t'en penses. Bah, j'ai jamais goûté encore. C'est le meilleur CBD qui a. Tiens, moi je vous donne ça, j'ai un lockpick sur moi, je vais pas le garder. Et pareil, ma radio et tout, je l'ai mis là-dedans parce que c'est bon, je peux emmener ça là-bas. Alors attends, tiens. Moi c'est Momo, faut qu'il me passe. Ah ouais, d'ailleurs, tiens. Hop, bon c'est que dalle, mais j'avais ça, donc au moins ça peut, si jamais, du bar là jouer une machine quoi. Attends, ah ouais merde, attends, ma brosse à dents. Wanji. Hein? Ouais, c'est en quelle heure là? Putain, il a déjà lâché là, d'où je suis là. Ah d'accord. Ce sera rendez-vous 21h quand on refasse le plan et puis quand on ouvre l'otage, boy, tu vois. Ok. Puis ce qu'on va faire, on va tous s'habiller pareil. Comme ça, moi, ça va être bien, toi. Ah ouais? On va tous pareil. Bah ouais, ça passe. Vas-y, moi j'ai une idée de déguisement. Ça vous dit, on se déguise en tacos? Putain, c'est le truc de latino de merde, boy. Tu veux que je porte un truc de tacos de merde? Bah comme ça, justement. Oh, on mettra du vert, mais tous la même tenue. Comme ça, voilà quoi. Ils pourront pas dire, ouais, il faut prendre lui, parce que voilà, tu vois. Hop là. Ouais, pas mal. Bon, tes vacances, boy. Ouais, tes vacances, man. Bon, c'est ce que je disais, hein. Moi, j'aimerais bien vous retrouver en entier et fortuné, tu vois. Ouais, t'inquiète. Après, je vais passer une carte, je vais chercher un camion citerne. Ah, ils ont mal parlé. Bon, en espérant qu'on soit tous en vie quand tu reviendras, t'as vu. Bon, parle pas de conneries, man. Bon, pourquoi tu veux qu'on meure, toi? Bon, c'est jamais ce qu'ils pensent penser, hein. Blake, il pourrait trop réfléchir, ça lui ferait péter trop de neurones, man. Le bâtard. Oh, tu penses? Ah, c'est possible, on sait jamais, hein. Peut-être que là, tu vois, le choc de la voiture, ça va le changer. Il va se dire, c'est moi le cerveau de la street, maintenant. Allez. Et là, c'est fini. Dans 2 semaines, il n'y a plus personne quand je reviens. 2 jours, moi, je dors. Les murs en violet et tout, man. Bon, là, je fuis, hein. En tout cas, c'était marrant, hein. J'ai vu des bunkers à l'hôpital. Ouais, bah, je suis allé parler au type là, Vance, à qui on a parlé hier. Hein. Moi, j'ai vu que lui. Bon, j'ai rien dit, hein. Je suis en mode, t'as vu ton chef? Non, ok. Bah, demain, ouais, ok, bon. Toi. Du coup, sur le bis des voitures, c'est Babar qui s'en chargera majoritairement, je pense. Maintenant, très bien, pareil, très bien. Voilà, parce qu'il me disait au début, ouais, peut-être tonton Ivra, je crois que t'as fumé, toi. T'as tout compris.
Ah ouais, je préfère gérer voilà. Tout ce qui est les billets, la drogue. Voilà, c'est exactement ce que je lui ai dit, que toi tu préférais la vente. Donc c'est Babar qui va gérer ça. C'est soit Babar, soit Momo qui va recevoir, comme je t'ai dit, l'info sur les Lost. Puis après le reste, moi je fais rien d'autre. Hein. Ouais, moi j'espère que ce sera une bonne nouvelle, parce que sinon... Ah bah moi aussi. Hein. De toute façon, nous on n'a pas grand chose, enfin tu vois, c'est gagné d'avance hein, en vrai ce truc là maintenant. Soit on a de l'argent, soit on écrase des types qui ouvrent trop leur gueule, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ou bien alors leur fait péter la gueule à la citerne. Ouais, non, mais toi, il a vraiment un problème, lui. Tu sais que ça va en prison, hein, ton frère. Carrément, il va faire sauter la prison avec. Mais ça va être la prison fédérale et tout, c'est mort, hein. Bon, il faut tous y passer par la fédé. Ouais, bah d'accord, mais on là, y passera là, je suis pas sûr que t'en ressors pour un attentat, man. Hein. Ah bon? Moi, je pense pas, hein. Tu sais, ça se trouve, la CIA, elle va t'emmener dans des coins bizarres et faire des trucs chelous avec toi, hein. Alors, tu penses qu'ils vont m'enterrer dans le désert? Peut-être, hein, ils te laisseront que tes narines dépasser du sol pour voir combien de temps tu tiens. La narine et la bouche, peut-être. Non, juste les narines. Ouais, mais du coup, je pourrais pas manger. Ah bah, c'est pas grave. Je vais pas tenir longtemps. Ah bah ouais, mais c'est pas grave. Ils te nourrissent de l'eau par le nez et puis après, ils voient combien de temps ça dure, hein. Ah ouais. Ah ouais, man. Je pense que ça marche si on fait des tuyaux. En vrai, si on met des tuyaux, ça passe. De la bouffe? Bah oui. Ouais, par le nez, ouais, ouais, peut-être, mais ça doit pas être agréable. Bah avec un tuyau, tu sentiras après, rien. Après, si le but c'est de te torturer, ils vont pas faire ça, hein. Ils sont malades. Ouais, c'est pas faux. Bah ouais. Ou alors, ils te nourrissent que des plats que t'aimes pas. Moi, ça se voit, c'est imagine, la pire torture, je pense que oh, c'est. Des épinards à la béchamel, man. Quoi? En plein milieu du désert. C'est trop bon, ça, les épinards à la béchamel, c'est vert. Ah ouais, mais ça, c'est parce que t'as 40 ans, toi. Moi, ça se trouve, c'est là-bas, ils emmènent, mais allez, les bons. C'est mais bien non, ce que man, je dis, les jeunes, ça... ils aiment rien. Bon, si, man, j'aime faudrait plein pas de qu'il trucs. Y ait la guerre, je vous le dis. Moi, qu'est-ce que tu racontes, man? Ah ouais, voilà, du coup. T'as l'air décontenancé, OG. Écoute, boy, j'ai subi une petite anesthésie, j'ai pris un morceau de peau ah dans ouais, la main. Je vois que des étoiles partout. Putain. En plus de ça, il a venu de fumer un joint, alors comme ça. Ah, tu sais que nous, man, je sais pas vous en primo, hein, mais nous en Zion, on a fait 5 virages. Merci, au revoir. Bah, ouais. Vous les avez bloqués, et puis bah voilà. Ouais, merci, au revoir. Voilà, ouais. Bah, non, moi, c'était pas le but, hein. Je voulais juste les gêner pour qu'on. Ah, tu les as bien gênés. Oh, vous êtes les man. Putain. On est chez ZZ, il prépare sa valise pour partir pendant 2 semaines. Pourquoi t'es moi, autant ? Moi, elle est prête à aller sur le lit. Ah oh ouais, d'ailleurs, hey, tu peux dormir sur le lit, man, mais change les draps avant que je revienne. Moi, de je peux ramener coup, Tintin bah, ici. On va là, sous le loin. Tintin. Tu vas aller le chercher. Bah ouais, ouais, vas-y, vas-y. Ah ouais, c'est bizarre, toi. Non, non tu niques pas dans mon lit, tu niques sur le canapé, si tu veux niquer, man, quand même. Moi, non, boy, allez. Ou alors, tu me le dis pas, je m'en fous, tu vois, mais tu changes les draps. Oh, bah, je t'enverrai un. T'es tout content, t'en fais. Oh, bah, c'est bien. Putain. Man, pense à. Je sais pas si mon téléphone il zoom assez, hein. Faut que je regarde si j'ai. Ta gueule! Ah, je crois pas, hein. J'ai que zoom x10. Ah bon? Oh putain, chaud! Oh. Man, faut que tu me déposes, oh. Il est à 23h mon avion! Bon, allez! On a 40 minutes, les boys! Vite, vite! Devant! Moi, je vais me carrier! Ok, très bien, je suis là dans une minute. Bah de quoi la porte elle est fermée? Je peux pas sortir? Ah si c'est bon. Putain. Vas-y y'a plus de grillage. Hein ma caisse. Ouais ouais t'inquiète pas. Vas-y trace. Audi on a pas le temps, dans 3 minutes faut que je sois à l'aéroport. Vas-y, t'inquiète, trop, vas-y, du coup, poto, hein, ramène des choses intéressantes quand même. Tonton, t'as piqué ma caisse? Je souhaite ma caisse, c'est con. Ouais, bon, on arrive. Ah oui, son avion est à 23h. Putain, j'ai même pas dû le dire au revoir. Et ils l'ont mis où mon véhicule? On vous dépose quelque part? Ouais, faut que j'aille au tâteur. C'est combien?
Ah, tout allez. Tu vas aller où? Bah, tu vas aller où? Au tatoueur, boy. Bah, dépose-moi, je vais prendre mon véhicule, je vais rejoindre au tatoueur. Bah, je t'emmène pas? Mais Zem, je monte devant. Ok, ok. Je croyais que tu voulais te faire escorter au-dessus. Ouais, ils vont dire au revoir à Pau, c'est bon, il en met un peu de tard de encore. Au revoir à Pau, c'est des bisous. Ouais, vas-y, t'es lui pareil, tout, hein, puis voilà, hein, tout le trololo. Hein. Deluxe, je fais un gros baiso. Oh, attends, j'ai reçu un message. Fais gaffe, en gros. Le bon, il était déjà parti parce que. Bah, il a une minute pour aller embarquer dans l'avion, là, les bon. Bon, il va falloir que je rappelle quelqu'un pour le witch shop. Oh, vas-y, pas de manière, quand t'auras le temps. Je vais croiser la voiture des petits, elle est trop bien. Oh putain, fuck off. Oh, ça va, t'entends les suspensions? Ah boy, fuck off. Oh, oh mais non. Putain, les gars, oh, s'il vous plaît. Oh, c'est quoi, c'est après jeu? Ouais, je sais pas, mais t'as vu le saut que tu me fais, ou quoi? Ouais, lequel saut? Le premier. T'as vraiment fait des énormes sauts. Mais tu vois, ça mâche une gomme. Mais t'as vu les suspensions qu'il y a? Oh. Hein? Regarde. Allez, roule. Oh, mais attends, je vais. Ah. Voilà, là, c'est bien comme ça, Olivier. Tu vois les suspensions qu'il y a sur ta voiture? Mais, dépêche-toi, là, tu vas m'énerver. Ah, mais c'est encore la petite. Mais m'énerve pas, Olivier, sinon tu descends là tout de suite. Hein. Bon, allez, big up, les boys, rapidement, moi j'y vais aussi. Vas-y, carotte de main, boy. Qu'est-ce que tu fais? C'est de l'autre côté, boy. Ah bon? Regarde les suspensions. Alors, c'est quoi le problème? Casse pas ma voiture, là, parce qu'elle est déjà cassée, à moitié cassée. Bah, elle est un peu comme le OG. Non. On va te faire l'idiot, toi. Ça va? Ça va, toi, Vlad? Ouais, c'est ma nouvelle voiture. Ah, c'est ça que j'ai vu passer tout à l'heure, je me disais, mais c'est parce quoi? Bah, c'est ma voiture. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, tu veux voir le moteur? Ah, vas-y, je rigole. Elle est trop stylée, ta voiture. Bisous. Ah ouais. Ah oui. Je lui redirai. À tout. Moteur. Hein. Ouais. Ah, vas-y, si vous faites des bisous. Ouais. Pas mal ce moteur. Putain, hein? Vache, salut, Gang. Ouais, salut, génial, ça va bien quoi. C'est des plans. Ah ouais, compliqué. La même maintenant, la super voiture. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais, voiture, mais je là-bas. Savais pas. Ouais, faut la voir à l'intérieur, parce que je vois des trucs, ça m'a. Je m'étais sauté depuis tout à l'heure, là. T'as va t'asseoir? Ouais, compliqué, j'en ai de merde. Il y a des journées comme ça. Ouais. Oh, bordel. C'est ma cousin. Bon, vas-y, du coup, explique-moi, Mimsy. Alors, cette semaine, on va faire le spectacle de Noël avec Vlad et Junior. C'est nous, on fait le spectacle, on fait de la danse, on fait du playback, on fait les sons aussi. Vas-y, Vlad, viens, on lui dit comment on chante. Merry Christmas. Ah, wish you a Merry Christmas. T'as vu, on sent bien. Ouais, je sais quand on fait ça parce que j'ai pas envie de le louper. Et même on fait le spectacle de Mazi, le spectacle du ventriloque. Qu'est-ce que t'arrives, Toto? Ça va pas ou quoi? C'est une mouche, il l'embête. Je l'ai vu, la mouche. Ouais, merci, bravo. Elle était bien, la façon. De magie. On peut faire ton magie. Ouais, non, il faut qu'on se prépare psychologiquement. Oh putain, que? Tu vois? Et puis après, on va faire la tombola de Noël. Faut que tu te mettes à quoi gagner du coup? Je vais te montrer. Faut que tu te mettes à côté de ton OG pour que j'aie le temps d'avoir. Alors, nous trois, on met une enceinte super pimpée à gagner.
le monsieur Socola, il offre un bon de réduction de 5% dans sa boutique. Le unicorn. Le unicorn, vas-y, annonce les prises de Redmond. Le unicorn, il nous en donnait 10 bouteilles de vin. Putain. Et on va acheter une carte Burger Shot cadeau de $200. Ah bah dis donc, ça va vous revenir cher tout ça. Ouais. C'est combien le billet de tombola? On n'a pas encore décidé. Ok, bah vous le direz OG et je vous en prendrai. Ok. Faudra voir aussi combien de personnes pour prendre des tickets aussi. C'est pas faux. Faut voir si c'est 1, 2, 3, 50, autant vous en voulez. Faut voir. Alors, du coup, ouais, on a 10 bouteilles de vin de Unicorn, $200 offerts, tu sais, le bon d'assal à la carte cadeau au Burger Shot. Et là, on a 50% de réduction sur un passage PPA de la munition. Oh, c'est bien ça. Bordel. Ah ouais. Ok, bah si tu veux, tu peux rajouter un tatouage offert dans ton truc, d'accord? Cool. Y a une valeur petit, grand, moyen. N'importe quel tatouage offert. Cool, the note. Alors, tatouage offert. Du coup, faut participer, ça tu me dis ça. Bah oui, si tu veux participer, oui. Bon. Mais attends de participer, on va voir le gouvernement, on doit envoyer la lettre, ça va être compliqué, il faut écrire une lettre sans la faute de l'orthographe. Pour avoir l'autorisation, et dès qu'on aura l'autorisation, on va dessiner une affiche, et puis on va faire le tour. Pour les gens, ils achètent leur billet de... Attendez, je dois répondre encore au téléphone. Allô ? C'est moi qui t'appelle. Ah, c'est toi qui m'appelle. Du coup, oui, après on va faire le tour des ondes pour qu'ils puissent acheter leur ticket de la tombola. De quoi? Mais ce que je disais, c'est un ou plusieurs tickets par personne? Oui, plusieurs tickets. Bah ouais, tant qu'à faire. Du coup, c'est toi, Mimzi, qui nous a appelé. T'as appelé qui? T'as envoyé un message. À qui? Au bad shop, là. À la fumette. C'est ah ça. Ouais, la fumette, oui. Parce que j'ai travaillé, c'est pour ça, j'ai reçu un message. Bah oui, bah c'était pour ça. C'était pour savoir si la fumette, ils peuvent, je sais pas, moi faire quelque chose. Peut-être pas t'amener des joints de Noël. Je vais appeler le patron. J'en ai cigarettes magiques. Ouais, genre, dis-lui de nous rappeler, comme ça, moi je lui explique le grand prosé. Ok. Ça va. Ah oui, c'est un grand prosé. Ouais, c'est bien, même si c'est bien, je suis content pour vous. Désolé, je suis un peu à l'ouest. Hein. Bah c'est normal, fais voir, t'as un trou dans la main. Ouais, j'ai un trou dans la main. Enfin, j'ai un bandage. Du coup, est-ce que c'est les tatouages à faire? Il y en a de vous trois qui voudra les faire de temps en temps. Alors du coup, parce qu'avec une main, ça va être compliqué, mais bon. Faut pas le rater, par contre. D'accord, vas-y, moi je suis chaud. Vous viendrez tous les trois, ce sera marrant, tiens. Ok. Parce que je dois enlever les fils demain. Après, j'ai pas de clients, moi, c'est jamais. Tu veux que je la fasse pour enlever tes fils? Non. Pourquoi tu me regardes bizarrement comme ça? J'y vais avec les dents. Et après, je te suture la main. Arrache-moi ton briquet, oh putain. Oh, pardon. Parce qu'en plus, j'ai pris l'anesthésie, j'ai fumé, tout va bien. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Ça va, Junior? Ouais. Pas l'air. C'est parce que j'en ai trop dans le crâne. Ah, attends, moi aussi. Si je n'ai il va te rappeler le patron. Oh. Il était occupé, là, il est passé son PPA. Okay. Tu sais que même que pour la tombola, on va avoir le Père Noël. C'est vrai? Ah bon? Ouais. Ben ça. C'est quand vous allez faire la petite parade là et tout. Tu devineras jamais qui c'est le Père Noël. Vas-y, fais-moi rire, s'il te plaît. Vas-y, essaye de le trouver. Vas-y, devine. Non. Bordel. C'est ton. C'est quoi ça? C'est l'un. C'est notre signe de gang. Ah, vous avez trouvé enfin un signe de gang. Bah ouais. Il est bien, il est stylé. Comment tu dis déjà merde. Il est trop pimpé. C'est Québec. Ah, c'est bien. Moi, j'aime bien. Je pense que c'est l'un des pires ennemis des voyous. Celui qui va le faire de Père Noël. Mais dis pas que c'est un cop, s'il te plaît. C'est pas le commandant. C'est le commandant. Ouais. Bon. Ouais, c'est pas de mort. Ok. C'est le commandant.
Bah non, commandant, il veut bien faire le Père Noël. Oh putain. Bah, moi qui croyais avoir tout vu. Il faut juste après. Ah ouais. Donc on veut faire ça cette semaine. T'as une idée d'un jour qui peut être bien pour que tout le monde puisse être là un maximum? Ouais, je te conseille de faire ça mercredi, par exemple. Mercredi, ouais. Attends, c'est public. Non, pas moi. Fais peut-être vendredi, je pense. Vendredi? Vendredi ouais. Soir Parce que mardi, on n'en est pas là. Donc, vendredi, 21h30? Ouais, c'est carré, ça. Bah ouais, c'est pas mal, ça. Ça go back. Carré, ça comme ça, tu vois, tu prévois l'avance, et puis comme ça, les gens, ils vont se dépatouiller pour être là, tu vois. Moi, ça va être trop bien. Ouais, c'est où votre parade, là? Oh, on va faire ça, là, en place des cubes. Il y a la place pour tout le monde. Ouais, et puis on fera le super spectacle et tout. Ouais, j'ai hâte de voir ça, faut se mentir. Ouais, on va aller acheter un super déguisement de lutin, genre pour de vrai, pas le pyjama. Ah ouais, bah il était bien le pyjama, non? Ouais, mais il est pas assez l'esprit de Noël, genre c'est farfelu, il faut un vrai. Ah, farfelu? Oui. C'est qui farfelu? Bah c'est un mec qui traînait avec phare et puis ça fait feu, et voilà, bah je suis perdu, là, je suis mort. Phare, feu, non, lui. Non, s'il te plaît, fais, faut pas le foutre ton briquet, hein. Pour craler mon salon, après j'avais des problèmes encore. Ah et du coup, ta lettre, elle a avancé, hein? Bah du coup, avec la main, c'est un peu compliqué, mais j'ai marqué que j'ai rencontré trois personnes sympathiques, voilà. Je sens. Tu te répètes, t'avais déjà écrit ça la dernière fois, c'est-à-dire que j'ai écrit deux fois? Bon, oui. Tu m'as grillé, bon d'accord, bah, j'ai pas trouvé d'autre phrase. Ok, bah déjà t'as dit salut, comment tu vas? Ouais. J'ai rencontré trois personnes... sympathiques. Trois personnes sympathiques? Ça va, ça doit faire deux lignes, il faut que t'écrives en gros du coup. Ah ouais. Ça crée que ouais, c'est vrai que là ouais, c'est compliqué. Bah t'as qu'à rajouter que tu vas participer à l'esprit de Noël. Oh putain, ouais. Moi, Oji. Ouais, c'est moi, ouais. Dis-moi, il est où ton bouquin, là, avec tous les tatouages? Oh boy. On me fatigue. Comment ça, tu sais pas où il est? Il faut aller sur le Discord, s'il vous plaît. Je m'en vais, hein, tant pis. Hein. Mais non, mais reviens. T'en bouges pas. Ouais, je bouge pas. T'as les quoi? Oh putain. Oh bordel. Ou jouer à la suite cela. Bisous Thérèse. Bon. T'as dit tu joues à quoi que je rigole? À la suite. Oh bordel. Tu veux jouer à la suite? Non, toi tu fais quand t'es petit, non? Non, c'est pour de vrai, on va aller jouer à la suite. Ok. On joue au jeu de zombies sur la Switch. Ça. Ouais. Mm-hmm. 7 jours, bordel. 7 jours tout pour mourir. 7 jours pour mourir. Ouais, on va jouer à la Switch. Tu veux venir jouer à la Switch? Faut peut-être déjà que j'ai le truc pour le machin chouette comme t'as dit. Ah, ouais, c'est vrai que oui, ouais, c'est mieux quand même. Ouais, tu vois, c'est pas assez compliqué. C'est quoi exactement? C'est la Switch ou c'est le sous les œufs? À mon avis, c'est surtout le œuf. Attention, ce que tu vas dire. Sur l'instance. Vlad, ouais. Vlad, ouais. C'est bon, Vlad. Vlad, c'est bon. Ouais. Ok, ouais. Bon, c'est pas grave. Écoute, tu m'offriras un truc et tout, machin, une carte postale et tout, tu vois. Ouais, je t'en veux une carte postale. Eddie. Ouais. Je te prends la musique. Eddie, tu veux comme moi? Ouais, c'est... Ouais, allô? C'est le feu des antidouleurs et tout. Et voilà, machin et tout. Okay. Ouais, c'est clair, ils vont tout balancer, sa mère. Oh putain! Ouais, c'est... Fouche, quoi.
Faudrait que je regarde truc machin, truc 7 jours, je sais pas quoi là. Ouais, voilà, c'est pour. Ouais, cherchez Pipé ça. Ah, ouais. Putain. C'est pas grand. Ah. Oh. Tu veux pas l'avoir. Encore, c'est bon, t'inquiète, tu comprends. 5 dollars T'inquiète, c'est bon. Précisément 5,80$. Ouais. La putain, ouais, t'inquiète. J'encadrerai dans le fond de la caisse, de bien avoir. Ah bordel, pourquoi j'ai mal au bide? Je sais pas. Oh bordel. Toi aussi t'as mal au bide? Ouais. Bah du coup, ouais. Oh bordel. C'est pas comme 7 jours en enfer, non? C'est pas ça? Non. Ouais. Bah, j'aurais peut-être posé des questions, peut-être que tu vas me dire des trucs que je vais te surpris. Hein? De quoi? Je veux du mal à en faire un, mais ouais, y'a moyen que je le fasse, ouais. En pire, si tu veux, je le tatoue, moi, c'est comme tu veux. Hein? Tu veux que je te tatoue? Non. Bah, je regarde, moi, je t'ai bien tatoué. Si t'arrives à faire exactement ce que je veux, oui, si tu fais n'importe quoi. Ah ouais? Mais ouais, je sais, en fait, c'est un jeu de zombie, il me semble, en fait. Alors, du coup, c'est la question. Parce que tu vois, pour la musique. Il y a le problème de la musique, du droit de l'auteur, du pas droit de l'auteur, de la libre de l'auteur. Ouais, beaucoup d'auteurs là-dedans, dis-moi, non? Oui, et bah du coup, on voulait savoir. Tu crois que sur la musique de Noël, ils ont mis l'autorisation de l'auteur? C'était pour lesquels, mais on peut. Ouais, au pire, on testera bien, on verra bien ce qui se passe. Genre les petits lutins, ils ont mis bim dessus le copyright. Ah ouais, mais à fond, mais je cherchais un jeu zombie, tu vois, Walking Dead, mais. C'est des sons de Noël, c'est pas trop les. Quand j'ai vu comment il était, je me suis dit, ouais, je vais me contenter de la série, voilà. Non. Ah ouais. Bah, comment on fait? T'inquiète, on trouvera bien un petit tarfège. Bah, au pire, on met juste la mélodie, et puis c'est nous en sente. Ouais, ça peut être marrant. Franchement, l'idée du playback était vraiment sympa. Ouais, franchement, je regarde et tout. On va te chanter petit Papa Noël. Ouais, on peut pas. Petit Papa Noël. Bordel. Quand tu les chantes. J'en peux plus, moi. Avec des joies et familiers. N'oublie pas des petits. Non, mon petit soulier. Mon petit soulier. C'est trop bien, c'est... Ouais, c'est... Ouais, Junior Ray, il a même que c'est de la chaise, bordel. Ouais. Ouais, bah écoute, Oh, bordel. Ouais, machin chouette, quand tu m'as dit truc, chose et tout, ouais, j'approfondirai la chose. De quoi, truc chouette? 7 jours, là, pour je sais pas quoi et tout. 7 jours, ouais. Lundi, mardi, mercredi, aujourd'hui. Pour décider. Ah ouais? C'est pas là? Quoi? Oh oui. Ok, bon bah. Faut que. Hein. Bah écoutez, le jeu, vous savez pas quoi faire, vous me dites. Voilà. Ah oh, t'inquiète, ça marche. Faut que je regarde ça attentivement, putain. Ok. Bon, bah du coup, on va pas te déranger plus longtemps. Bon, on va te laisser reposer ta main qui a eu un bobo. Je vais faire un tatouage, regarde. Ça, si vous voulez voir. Si ouais. Tu veux, je peux le tatouer. Quoi, tu veux pas que je tatoue? Non. Ok, bon. Encore, te dis rien. Hein. J'ai tatoué Mimsy, elle peut te montrer le tatouage. Disons que je t'ai voir un pouce, c'est pas très bien passé. Ah, bien. Un tatouage, c'est quand même quelque chose à vie. Ah, bah, il est déjà revenu. Ouais, il a cru que j'avais volé un pocket chip, alors que c'est pas vrai. Je vois ça que. Oh merde. Mais ils sont bien faits, mes tatouages. Non, bon. J'ai raté ce que je voulais faire, j'ai voulu prendre la caisse à poule, j'ai raté. Attends, mais est-ce que t'es en train de dire que ça veut dire que Apu il se défend? Bah, il est sympa celui-là. Il a sorti un trop grand. Attends, il sort vraiment pour de vrai le fusil de la pompe? C'est l'honneur. Ouais, j'ai le temps de m'abaisser, tu vois. Ça fait très mal au niveau de la main. Putain. Ah, moi j'ai plus envie d'aller le faire crasser. Moi j'ai plus trop envie d'aller le faire crasser. La porte, elle est là. C'était nul. Je me je m'attendais pas, puis tellement il s'énerve et tout, il fait des grands gestes et tout, machin. Mais là, il m'a dit attends, bouge pas et tout, machin. Ouais, et là, quand j'ai vu le truc, je fais oh putain.
C'était un gros pistolet. Ah, c'était un gros truc, ouais. Je vais te dire, à la chasse, c'est sûr qu'il touchait bien, je vais pas te mentir. Hein. Pour une fois, je... En vrai, Oh putain, ah, pas forcément. Ah bah, voilà. J'ai envie de te dire, hein. Elle l'aurait bien visé, j'aurais un courrier. Bah, arrête de m'amuser. Une éponge. Ouais, une éponge, ouais. Un courrier, ouais, c'est bon, une éponge et tout. Ah bah, après, tu commences, déjà, la dernière fois, t'as eu des nouveaux trous de balles. Non, alors j'ai pas un trou de balle. Pas un trou de balle, mais c'était une façon de parler. Hein. Ah. Ouais, c'est une façon de parler. T'as dit que t'as eu le plomb dans le cul. Ah. Non, j'ai pas eu le plomb, machin chouette et tout. T'as vu, y'a du feu partout. C'est que j'ai pris un. Le prochain, parce que j'ai pas d'ailleurs. Un trois quarts. Un trois quarts. Ouais, je sais plus, mais c'est la force, tu sais, la tête bon, force. Quand c'est pas du plomb, quand c'est pas un coup de taser, c'est un coup de couteau. Non, moi je suis pas Harry Potter. T'as compliqué. Harry Potter. T'as compris. Ouais. Ouais, t'as compliqué. Ouais, au sommet, c'est. Ah, c'est compliqué. Ouais. Ouais. T'arrives pas à être cubique en ce moment. Ouais, t'arrives pas trop à être cubique, non. Pas peine de te cacher, toi, je te vois. Ouais, je sais. Bon, bah écoute, on va y aller. Je te montre. Ouais. Un jour. Bon, on est par là. Ça marche. Du coup, tu me diras pour. Allez, je vous donnerai ce que je peux vous donner, d'accord? Oh, t'inquiète, ça marche. Bah, de toute façon, on te dira demain. Ce soir, on va faire la lettre au gouvernement. Et puis, on ouais. te dira. Surtout au gouvernement, faut le marquer. Hein. Mais surtout, ouais, mes chères salutations, c'est tout ce que je connais. Les joyeux Noël, c'est pour Noël et tout, il sera content. Ok. Surtout, faut pas dire qu'il est vieux. Hein. D'accord. Qui est vieux? Le gouvernement Noël. Bah, la fois que je l'ai vu, il y a longtemps et tout. Hein. Franchement, j'ai cru que. Il fallait le transporter pour marcher. Du coup, on peut faire le truc là. Le quoi? Un mimier. Quel truc? Tu sais quand les gens sont vieux. Oh bordel, pourquoi j'ai dit ça? Le testament? Ouais. Le gouvernement, il a beaucoup d'argent. Regarde-moi bien dans les yeux. Le gouvernement, oui. Tu vois, la ville lui appartient. Oh. Ah, du coup, on peut lui demander le testament. Bah, je pense que si tu lui demandes ça, tu risques d'avoir des complications. Bah, je sais pas, regarde, on a bien demandé à monsieur Ducaillot Perico et il a dit on va réfléchir. Ah ouais? Ah ouais, il a juste dit qu'il fallait qu'on arrête de l'appeler le vieux. Ouais, ouais, surtout, ouais, vraiment mauvaise idée. Du coup, je l'appelle le jeune. Ouais, au pire, ouais, hein, j'allais dire notre truc, mais non, la merde. Non, vous l'appelez papy. Oh putain, pourquoi bah, t'as dit non, ça tonton? Il l'aime pas trop. Il l'aime pas non plus? Non, parce que la dernière fois aussi, je lui ai dit « Mais attention, cours pas, t'es bientôt mort, tu vas en mourir plus vite. » Ah oui, mais non. Ouais, mais non, même Z, hein. Mais il est vieux. Ouais, mais bon. Ah ouais, mais il est presque mort. Ouais, on va pas se mentir, ouais, ça serait pas une perte. Mais bon, est-ce que t'as retrouvé celui ou celle qui t'a ressemblé de goutte d'eau? Hein? Quoi? Attends, t'es sérieuse? Attends, répète, j'ai pas compris. Bordel. Est-ce que j'ai retrouvé qui? Je te jure, hein, tu m'agaces, hein, à force. Hein. Ah. La personne qui te ressemble comme deux gouttes d'eau, elle doit... Ah! Non, je sais pas, et quand j'ai demandé au président, il a dit que son... il a dit, mon hermano, il a dû se tromper avec la fille qui s'occupe de la boutique. Du coup, je sais pas. Ça marche. Bon, voilà, donnez-va, on va jouer à la suite. Ouais, ouais. Ah ouais. Tu me diras tu me diras le truc machin chouette et tout, je regarde. Le truc machin quoi? Ouais, t'inquiète, tu m'as compris. T'inquiète, on a compris, nous, voilà, t'inquiète. Ah, c'est que bec, hein, je peux pas te mentir. La mort a des oreilles. Ouais, y'a pas que les murs qui ont des oreilles. Harry Potter? Ouais, ah, c'est y a Léon, y a Logan, y a Briac, oh putain, y a Brian, ah ouais, y a du peuple. Bon, ok. Voilà. Ouais, bah, et puis le joyeux Noël de l'avance. Ouais, toi aussi, faites attention à vous, d'accord? Noyau Joël. Bonne soirée, les vieux. Ouais, bon. Sur le scolo, t'as pas tort. Hein? Ouais, j'ai sur le scolo, t'as pas tort. Voilà, bah ouais, là, ouais. Allez, bon courage, Junior. Allez. Merci, vas-y. Bonne soirée. Ah, ouais. Allez, tout de suite. Délire. Bon, du coup, à nous maintenant. Ouais. Vas-y, tu veux qu'elle te touche? Le 227.
Et ça t'énerve pas. Ouais, c'est la première fois, je m'assure. Ok. Elle est vers où? C'est au niveau du torse, du bras, de la tête, des pieds. Ouais. Ça ressemble à quoi? Ah, Toto, ça ressemble à quoi? Un billet avec un couteau. Ah ouais, t'attends pas le temps. Ouais, c'est comme je disais, ouais. Comment dire le jeu, ouais, la dernière fois, je cherchais un jeu de zombies et tout. Je me souviens, la dernière fois que je jouais au jeu de zombies, c'était Daylight. C'était pas mal. Mais quand tu joues solo, c'est pas drôle, quoi. Pas se mentir. Mais là, je connaissais pas ce jeu-là. Non. Non. Non, non. Je sais que j'ai vu pas mal de gens qui streamaient ça et tout, en regardant vite fait et tout, mais je connaissais pas. Je sais pas que ça s'appelait comme ça en fait. Je sais qu'il y a. Il y a un autre jeu de zombies aussi. Putain, je sais plus comment il s'appelle. Y'a pas quand même. En tout cas, ils sont trop forts. Hein. C'est. Moi, je m'éclate, hein, vraiment. Ouais, des gens comme ça dans un gang, je taperai des barres. Même que tu perds tout le temps, je taperai des barres. Je te jure. Je tape que des barres, en fait. C'est délire, quoi. Ouais, reviens. Voilà. Oh, de l'ur. T'es prêt? Vas-y. T'es prêt, hein? Vas-y. Plus, j'ai un peu mal à la main, donc va falloir que je fasse attention. T'inquiète, j'ai confiance. Oh, putain, ça fait mal en plus. Oh là là. Allez, vas-y, Oji. Oh, désolé. Oh, putain, mais tu me fais mal, Oji. Oh, bah, je veux pas se prendre. Moi aussi, j'ai mal en plus. Putain, t'as de la chance d'être l'audit parce que, ah, voilà, que ça serait mal passé. Oh, voilà, c'est bon. Et en plus, ah, parfait. Ça, je vais te dire, avec la couleur du sang, tu fais plus que vrai que nature, boy. Parfait. Voilà, oh putain. Oh, t'as envie de faire la paperasse et tout ce qui s'en suit, la con. Ça coûte combien, ça? J'adore ça. Donc ça, c'est un... C'est j'en ai bien un autre et... C'est un petit tatouage, bien aussi. Un petit tatouage. C'est celui qui est avec le mini Uzi là en or. Qui fait collier là. Donc c'est un petit. Ouais. Ça va te coûter $500. Ok. Et le mini Uzi en or là? C'est un moyen. C'est au niveau. Ça va te faire le même prix, ça te fera $500. Tout ça fera 1000. Vas-y, bah on fait les deux direct. Allez. Vas-y. C'est vrai que les bikers, ils viennent pas se faire tatouer, pourtant, ils ont peur, à mon avis, que je les rate. Ouais. Bon, pas. Ouais, c'est celui-ci. Ouais, c'est lui. Ça morce un peu sur l'autre, ça te dérange pas. Non, c'est pas grave, ça. Allez. Bon, ça va taper encore un peu de temps, hein, putain. Ah, t'as envie d'éternuer. Oh, non, déconne pas. Ah, oh, putain. Putain. Oh, putain, t'as un mouchoir. Ah, tiens, je te donne le rouleau de Sopal. Merci. Oh, bordel. Et du coup, c'était le combien celui-ci, tu sais pas? 98.
Donc je te fais la facture. Tiens. Je peux quand même mettre tout la carte et tout, tout ce qui va et tout. Voilà. Oui, voilà, paiement sans contact, nickel. Voilà. Ça passe. Ok, bon voilà. Oh putain, bon, ça te dit qu'on fasse à tous à l'unicorne ou pas? Vas-y, vas-y, vite fait. Ah, franchement, tu vois, les petits, tu vois, je suis content, boy, hein. Qu'ils en sortent sans sortir de constraint, ils ont des projets et tout, ça va. Ça me fait plaisir. Attends. J'ai hâte de voir le truc de Noël, mon tchendo. J'ai hâte de voir le commandant pas Noël, tiens, putain. Il lance un même boule de neige. Ouais, grave. Ah là là. La voiture a tout déglingué, pourtant elle a été réparée. Il faudra que je fasse la compta après. Oh là là, score bien marré ce soir, franchement. Moi je. C'est. Je me marre de plus en plus. Honnêtement, je me marre plus. Pour ceux qui. Voilà, ça fait longtemps que je fais du RP. J'ai fait en tout 5 serveurs. J'ai fait mon premier serveur RP. Qui date de très longtemps. Bon, il a fermé et tout en fait. Ils avaient fait une V1, ils ont voulu faire une V2. Mais sauf qu'ils partaient sur un RP français en fait. C'est... Du coup, je suis parti parce que ça m'intéressait pas. Et après, bah, je suis arrivé sur Kingdom au début de la V1. Après, à un moment donné, je suis parti parce que je voulais faire un style de RP que je pouvais pas faire ici. Je suis parti sur un autre serveur qui était pas mal et tout. Je suis resté jusqu'à la V3. Jusqu'à la V2, pardon. Et après, je suis parti sur un autre gros serveur qui a fermé. 300 personnes tous les soirs. Après, je suis revenu ici. Et je prends plus de plaisir en fait à jouer là comme ça et tout en fait. Ouais, c'est bon, y'a personne. Je crois qu'il y a personne. Mais il est stylé. Le bar. J'aime bien le bar comme ça. On va peut-être mettre ça, je bar. Je sais pas si elle t'a. Moi, je prends beaucoup de plaisir en fait. Je prends beaucoup de plaisir, honnêtement. Ce qui est bien, c'est qu'on a un staff, voilà, on a les mêmes idées et tout. Franchement, ça déboîte sa mère. Et les gens là sur la V3, ils ont un meilleur RP que sur la V2. Quoi. Bizarre, hein? Oh bah. Je pense que c'est mort. Hein. On repassera demain. Bon. On retourne au quartier. Oh ouais. Je sais pas trop quoi faire, j'ai pas de monter. Hein. Bon, moi je sais que je vais aller me coucher. Je me fais dire. Vas-y, bah tout le temps demain. Ouais. C'est bien. Ouais. Vas-y, carré. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire du coup?
Je vais avoir un kit de répol, non, parce que ça me saoule. Ah bah ben, il doit y avoir quelqu'un en bénise, je suis con. Alors tiens, tu vas voir pour le Wizard News là. Il y a quasiment plus de sens, c'est plus chiant. Parce que vu que maintenant il y a Wizard News, tout ce qui est annonce entreprise pour faire la publicité, bon, à part quand vous déclarez ouvert la société ouverte. Mais le reste, faut passer par voilà. Ah, puis le main de travail, ça fait chier, clairement. J'ai même pas vu passer le week-end, quoi. C'est impressionnant. Faut pas se mentir, hein. Clairement, c'était vraiment rapide, quoi. Bon, les mains, ça fait quoi? Ah, ça fait que j'allais aller au Benis pour réparer ma caisse au cas où. Ah bah vas-y, je t'attends. Ah tiens, t'es déjà les plus personnes. Oh ouais, ils ont tous fait tes gueux. Il y a du monde ici. Si je vends une arme à quelqu'un... Oh putain, c'est quoi ça? Moi je leur pisse dessus. Bon, je vais être fier avec eux, mais sans moi leur voiture elle est pas réparée. Et vu le nombre de fois on va réparer les voitures. Ouf. Ouais. Ouais. Je peux vous dire que le jour où je fais la petite facture, votre moto contre la police, vous gagnez un coup sûr. Ouais, je te fais la facture. Nickel, voilà, bougop. La semaine vient de commencer, ils sont déjà à 2000$ de réparation. Merde! Moi j'ai yellow, licorne quand même. C'est le mec qui s'est déplacé. Tiens, si c'est le patron licorne que je dois soulever, ça va être marrant. Je sais pas. Je suis con, il est plus là, c'est de ce con. Oh Seigneur Marie-Joseph! C'est les ballasses qu'ils ont l'unicorne là? C'est rien? Bon, je le savais, les gars. En plus, c'est lui là qui faisait le mal à la dernière fois. Non, tu veux boire un coup? Bah, ouais, ouais, c'est sauveur, ouais. Bah, vas-y, go, go. Je vais me changer, j'arrive tout de suite. Alors, qu'est-ce que je peux te servir, boy? Oh, whisky, boy. Vas-y, ça marche.
C'est bien, moi, voilà. Après, c'est les ballasses qui ont l'unicorne, mais bon, après, c'est... moi, ça fait tourner un peu le truc. Boy, on a que de la tequila, de la vodka ou du rhum. Oh putain, vas-y, vodka. Ouais, ça marche. Après, c'est bien, comment ça va faire vivre un peu le truc. Attends, je passe ça. Attends. Hein, bon, ça fera 30$ du coup. Ouais, vas-y, fais la facture. Ouais, fais la facture. Tac. Tac. Je te donne la boîte, la machine. Deux. Oh putain, je vais te défoncer à ce moment. Oh, il picole! Parfait. Nickel. Bah, je suis au bar hein, si jamais t'as besoin. Oh, bah, vas-y, tu peux en mettre deux, boy. Hein. Ça marche. Oh putain, faudra que j'achète la bouffe aussi, sa mère. Tiens. Tiens, boy. Voilà. Nickel. Ok. Ouais, c'est bien, je t'en remercie, boy. Hein. Je vais pas t'embêter plus longtemps. Bon, de rien, boy, c'est normal. Hein. Vas-y. C'est le travail. Oh, big up. Oh, putain, c'est big fou. Up. Bonne soirée, boy. M'amuser un peu, tiens. What the fuck? Oh, je vais s'amuser un peu les gars. Hein. Genre, je suis. Ah non, je peux pas être jet soap. Ah, c'est bien ce qui me semble. Qu'est-ce qu'il fait, le cops? Oh sa mère. On voit rien. La planète c'est un délire quoi. Merci pour le flow, mon ami. Merci bien, merci bien, merci bien. Franchement, ça fait plaisir. Merci bien. Département de 78 ou juste comme ça. Oh putain. Oh merde. Yo!
Eh, ça pique les yeux, ouais, bah ouais, là, le bonhomme il est en état d'ébriété, là, laisse tomber quoi, the fuck quoi. C'est pas drôle. On est parti à Major de Cops. Ouais, c'est pas drôle. Bah là, ils sont partis se coucher là, tu vois, c'est bonne main, il y en a qui doivent bosser tôt, donc on l'a dit, voilà quoi. En tout cas, encore merci pour le flow, c'est gentil hein, les gars, ça fait plaisir. Je te remercie bien mon ami. Dis-moi, tu pratiques le RP et tout ou pas? T'as découvert, tiens, t'as découvert comment la chaîne, tiens? C'est bien, c'est bon à savoir ça aussi. Ah merde! Putain, j'avais pas pensé ça. Putain, chier. Je pensais que j'avais quand même de l'argent. Tirer de l'argent. L'ATM il marche dehors ou pas? Parfait. Ah, trait de. Allez, 200. Non. 500 dollars, on peut chercher. Oh boy. How's it hanging? Ah, Vlad, comment tu vas? What? C'est cool. Je regardais même pas en plus. Comment ça va? Bah franchement ça va Vlad. Bah, t'as déjà arrêté de RP là? Ah vous me faites des barres de rire vous trois, je vous jure les gars. Vous faites des barres de rire. Parce que tu m'as balancé en plus le jeu et tout en jeu et tout, je putain. J'en pouvais plus, je jure. Ah, la pause s'impose, ouais, bah ouais, il faut des fois. Donc, moi je bosse demain, mais là, regarde, j'en veux quand même miser un peu. Donc, même que je suis tout seul, là, tous les familles sont parties dormir. C'est pas trop grave. J'ai envie de faire une petite scène marrante et tout avec les cops, mais je sais pas, ils m'ont pas grillé alcoolisé, je crois. Là, s'ils me voient pas, sa mère. Oh, vas-y, j'ai envie d'amuser. Ah, putain, ils sont cons. Hein. Puis quand ils vont m'arrêter que je veux pas. Vache, vas-y, il combien de verres en bouteille? Le pire, c'est à force de boire comme ça, pour ceux qui savent pas, les gars, vous perdez automatiquement de la vie. Hein. Vous perdez automatiquement de la vie. Oh, je veux savoir où ils sont, je te jure. Ils vont pas être loin, c'est con. Moi, je crois que c'était là, mais non. Délire! Bon ça va sinon Vlad tu kiffes le serveur ou pas? Ouais je les ai perdus comme ça je crois. Bah c'était bien bah tant mieux alors c'est cool. Je vois rien, ça me merde. Je crois qu'il a qu'à remonter sa voiture direct. C'est sérieux quoi.
Je les ai perdus là, c'est une blague. Je les ai pas perdus quand même, c'est pas possible. Ah bah tu m'étonnes. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je suis plus défoncé quoi. Ouais, bah tu vois, c'est ça qui est bien okay. En fait. C'est... Je vais sortir du véhicule, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe, donc ouais, bah, c'est le genre, hein. Connaissez le motif du contrôle hein? Non, pas trop, non. Quand je roulais tranquillement, paisiblement, pourquoi hein? Feu rouge grillé, place des cubes. Ouais, j'ai pas vu ça. Moi, je l'ai vu. On était sur le côté à deux voitures en train de contrôler un véhicule. Je l'énervais, les gars. Et la circulation, on roule du côté droit, pas du côté gauche. Oh bah c'est un peu l'alcool que j'ai bu, je sais pas. D'accord. Vous avez un permis, s'il vous plaît hein? Ah merde, le bâtard. Même si je sais déjà qui vous êtes, plus ou moins. Bon, j'espère que c'est bien un joint de CBD. Hein. Ouais. Que ça en peste. Bon, non, pas. C'est vraiment une grosse odeur. Ouais. Hein? Le petit permis de conduire, il est où? Ah, j'ai dû peut-être l'oublier. Ah, bah. Pas de permis, je saisis la voiture et vous retournez à pied. Non, pas de bonne idée, ça. Ah, voilà. Ah là là. C'est dommage, l'alcool a pas duré longtemps en fait, c'est dommage, ça aurait été marrant. Avec l'effet de l'alcool plus longtemps, c'est dommage, ça a pas duré longtemps en fait. C'est con. J'aurais bien voulu que ça dure plus longtemps. Ouais, j'ai du mal à la trouver, hein. Petite carte. Cherchez bien là. Ouais, je cherche là. J'ai pas le permis, ça vient, je pue. Merci. Est-ce qu'il va griller ou pas? Ok, c'est bon, je vous la rends, monsieur Chester. Il a pas grillé! Bien vous, vous avez bien le permis, c'est un miracle. Bon. Ouais. Vous mettez pas d'amende? Ouais. Par contre, je double l'amende si je vous vois encore griller un feu. Bah, je vois, ouais, pourquoi pas. Ouais. D'accord? Ouais. Pour la soirée, hein, demain, voilà. Pour ce soir, si je vous vois griller un feu ou faire une infraction, je doublerai l'amende directement. J'ai plus le permis, il l'a même pas capté, je crois, en fait. Donc, éviter de faire des grosses amendes. Ouais. Ça, en tout cas, en ce moment, tout avec la neige, les courbes, c'est plus comment ouais. On voit plus trop les routes à droite, à gauche et tout, au milieu, et tout. Les bordures, on les voit, quoi. Il suffit de rouler au plus près des bordures, hein. Ouais, on les voit, mais des fois, on les voit pas trop. Hein. Tu sais, quand tu roules et tout, quand tu roules, hein, tu vois pas trop, hein. C'est vrai que c'est pas évident. Mais bon, voilà, comme ça vous savez. Donc faites attention à votre conduite aussi. Mais... On se reverra plus de la soirée. Ouais, ça marche, bon. Allez, une bonne soirée à vous. Ouais, bah ça va aussi. Il a rien capté en fait, Brian, je crois. Il a rien capté. À moins qu'il l'a vu. Ah, parce qu'il s'est après, je suis un enculé, Brian. Ne va pas se mentir, les gars. Il serait capable de m'aligner comme je sais pas quoi. Je vais les faire, les feux rouges, parce que ça l'enfourait sur ça. Il l'a pas capté. Délire. Bon, commencez pas, les PNJ. Commencez pas, s'il vous plaît. Avancez. Soyez correct. Ouais, c'est bien les gars, on va rentrer au quartier de manière. Allez, putain, vas-y, y'a combien de bagnoles de cops là? Derrière moi? Et là? Délire! Y'en a des cops! Ouais, sinon ça aurait été une soirée sympathique, les gars, on passe mon chien, c'était assez drôle. Hein. C'était sympathique, c'était drôle et tout. Comme bien rigoler.
putain, c'est qui ça? C'est pas lui qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'autre qui est pas son moto. Vous savez pourquoi? J'ai cru. C'est chier qu'il pourra pas m'arrêter. Ouais, ça pue le copse à droite à gauche dans tout ça, hein. Je sais pas pourquoi. Bizarre. Ouais, je pense, ouais. Parce qu'il a fait une roue, la voiture, elle a rien dit. Ils ont pas mis de giro ni rien. Déjà, je sais pas, ils enquêtent, hein, tu vois. Oh. Pour lequel j'ai eu le même bug que tout à l'heure, je sais pas ce que c'est. Bon, ça, encore, c'est l'effet de l'alcool des fois qui remonte, c'est délire, quoi. C'est un truc de fou. Bon, on aura bien rigolé, les gars. Bon, après, je vais host chez quelqu'un, je vais voir un peu qui c'est qui est encore là. Enfin, j'ai lancé un raid, on va mieux voir qui c'est qui est encore là dans le coin. Mais ouais, non, c'est. On sera quand même bien amusé ce soir, quand même. Y a pas eu des trucs de dingue, hein. On a quand même vendu quasiment tous les billets, on a fait superette, on s'est bien débrouillé, on a finalisé le plan pour la bijouterie qui aura lieu mardi. J'espère que ça va bien se passer, après je m'en fous qu'on la rate, hein, je le dis clairement. Et que le plan soit minimum respecté, et voilà quoi. Après je pense qu'il y a moyen de la réussir. Il y a moyen de la réussir. On va pas se mentir. Ouais, c'est en fait ouais, c'est chaud là en fait, c'est quoi les voitures et tout qui passent et les motos là? Ouais, je pense qu'il y aura vraiment bien la réaliser la bijouterie, honnêtement, pour se mentir. Franchement, il y a grande chance qu'elle fonctionne très très bien la bijouterie. Connaissant certains, moi ils vont bien gérer, je pense, donc du coup, il y a moyen que. Que ça tourne très 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 bien en fait, on peut pas se mentir. Oh, y'a qui que je peux qui streamer là, que je peux host du serveur, enfin que je peux balancer, je crois qu'il y a personne hein, du coup. Hein. Il me semble que si. Y'a rien, bon, c'est pas grave, tant pis. Bon bah les gars, on va se quitter avec une petite musique, demain, on va finaliser le plan, carrément. Bah ouais, t'es obligé, tu vois, Pika, tu vois, t'es obligé d'avoir un otage, faudra qu'on trouve un otage déjà pour commencer, tu vois, déjà ça, y a moyen, c'est pour ça, alors soit on a jeté un peu à droite à gauche et tout, donc y a moyen, on en trouve un, le truc c'est, faut le trouver, après on lance le braquage. Après, faut que les gens soient bien placés et tout. C'est pour ça, demain, je pense que ce n'est quand même pas mal. On fera une petite répétition, savoir comment tous soient placés. Pour que ce soit carré, quoi. Parce que, normalement, elle doit être réussie. Mais après, s'il y a l'hélicoptère, c'est ce qui va dépendre. L'hélicoptère, c'est... Ça peut tout changer, clairement. Ça peut tout changer, on peut se mentir. Donc, on verra bien. On verra bien. Et puis, demain, livraison du cartel, en plus, encore. Voilà les gars, bon, on va mettre une petite musique et tout, tranquille et tout, allez, big up, à demain les boys, ciao, attends,
Si t'appelles un taxi, par exemple, que tu peux le prendre. Ouais, c'est pas trop. Faut pas trop fun, tu vois. C'est trop facile, tu vois. Moi, j'aime pas. Tu vois, je préfère le trouver et tout, tu vois. Le trouver moi-même et tout. Il suffit qu'ils soient au magasin de vêtements, boum, je l'attrape et pouf, quoi. C'est plus simple, quoi. Puis ce qui serait marrant, c'est que ce soit un Los ou un Balos, quoi. Faut se mentir. Voilà, quoi. T'as vu, je vais regarder après, mais ouais, à mon avis, toi, t'as dû acheter un truc, toi. Voilà. Bon allez, le boy, à demain, bonne nuit. Je fais des sommes pour avoir des armes. Je fais des sommes, je rêve d'être au sommet. Je fais des sommes pour avoir des armes. Je fais des sommes, et là j'ai même pas sommeil. Je fais des sommes pour avoir des armes. Je fais des sommes, je rêve d'être au sommet. Je fais des sommes pour avoir des armes. Je fais des sommes, et là j'ai même pas sommeil. Dans le ghetto, je vois des mythos. Dans le studio, je vois des michetons. Prêt à tuer pour la monnaie. Le Glock est rechargé. La défolio va passer. À 19h, on va détendre. Et on fait tout ça pour la monnaie. De toute façon, on a déjà gagné. Gagné, 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 gagné. Hey. Je fais des sommes, je rêve d'être au sommet. Je fais des sommes pour avoir des armes. Je fais des sommes, mais là j'ai même pas sommeil. Je fais des sommes pour avoir des armes. Je fais des sommes, je rêve d'être au sommet. Je fais des sommes pour avoir des armes. Je fais des sommes, et là j'ai même pas sommeil. Je fais des sommes pour avoir des armes. Je fais des sommes, je rêve d'être au sommet. Je fais des sommes pour avoir des armes. Je fais des sommes, et là j'ai même pas sommeil. I don't know if you're snitching, I don't know, yeah. I don't know if you're bitching, I don't know, yeah. Oh no, nigga, don't you spell it wrong, code. Oh no, nigga, don't you snitch your cuff, no. Counting my bits when I spend on you, bitch. Counting my bitches, I made you rich. Don't be ashamed, cause I know what you're missing. Spit that shit out, you have it with mine. Nigga, I told you to don't buy your dick. I gotta fix that shit out of life. To make your dreams be a better life. Don't believe it, I'm a swear on my life. I don't know if you're snitching, I don't know, yeah. I don't know if you're bitching, I don't know, yeah. I don't know, yeah. I don't know, yeah. Ay, ay, ay. Je fais des sommes pour avoir des armes. Je fais des sommes, je rêve d'être au sommet. Je fais des sommes pour avoir des armes. Je fais des sommes, et là j'ai même pas sommeil. Je fais des sommes pour avoir des armes. Je fais des sommes, je rêve d'être au sommet. Je fais des sommes pour avoir des armes. Je fais des sommes, et là j'ai même pas sommeil.